Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слышите его? Раз, два, три, четыре. Вы слышали? Микрофон Б. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Thank you.
Уважаемые коллеги, chers collègues, дорогие друзья, дамы и господа, chers amis, mesdames, messieurs, je propose de commencer. Et les représentants des médias, je vous prie de vous calmer un peu. Asseyez-vous, nous commençons notre travail. Merci. Messieurs chefs d'État et de gouvernement, chers amis, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous retrouver ici pour cette réunion des BRICS+. Cette réunion s'est avérée être très efficace. Cette réunion nous donne l'opportunité d'entamer un dialogue avec nos partenaires et avec nos amis. Je vous rappelle que l'année dernière, lors de la rencontre à Johannesburg, nous avons invité plusieurs membres d'États africains ainsi que des dirigeants de plusieurs organisations internationales. Cette fois-ci, la présidence russe a invité les voisins russes, les pays amicaux avec lesquels nous partageons la même histoire et la même culture. Ici sont présents également les dirigeants des États qui sont intéressés à développer la coopération plus étroite avec les BRICS et qui envisage l'adhésion au BRICS. Et nous avons invité également les dirigeants des pays qui, les dirigeants des structures internationales les plus importantes. Donc aujourd'hui sont présents les États de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Et aujourd'hui, nous allons aborder les questions les plus pertinentes pour la communauté internationale. Nous allons aborder le développement durable, l'élimination de la pauvreté, le changement climatique et l'échange des technologies. Nous avons également abordé la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier. Nous allons accorder une importance particulière au règlement pacifique des conflits. Notamment, nous allons parler de manière sérieuse de la situation au Proche-Orient. Les membres des BRICS doivent aborder toutes ces questions avec leurs partenaires. Tous ces pays partagent les mêmes positions. Tous ces pays, ils se prononcent en faveur d'un nouvel ordre mondial qui reflète toute la diversité culturelle et civilisationnelle. Et nous sommes convaincus que cet ordre mondial devrait se baser sur le respect des intérêts et de la souveraineté de ces pays. Cet ordre doit se baser sur le respect du droit international et sur la coopération mutuellement avantageuse. Ce n'est pas facile. Il y a des forces qui essayent de freiner ce processus. Ces pays occidentaux, ils essayent d'imposer au monde cet ordre mondial basé sur les règles. Et cela concerne notamment les pays africains et les pays d'Amérique latine. Ils font recours à des sanctions unilatérales, au protectionnisme, aux manipulations sur les marchés économiques. Et sous prétexte de la protection de la démocratie, ils imposent leur propre agenda. Et ces méthodes qui ne sont pas, disons, saines, ils ne font que provoquer de nouveaux conflits et ne font qu'aggraver les conflits qui existent déjà. Et ainsi, ils sapent la sécurité. Ils violent les principes de la sécurité indivisible. Ils encouragent les hostilités. Et l'un des exemples d'un tel comportement, c'est l'Ukraine. Ce sont les événements en Ukraine et l'Occident a utilisé l'Ukraine pour poser des menaces à la Fédération de Russie en ignorant les intérêts vitaux de la Fédération de Russie. L'Occident, il discrimine la population russophone. Et maintenant, l'Occident, il essaye d'infliger à la Fédération de Russie une défaite stratégique. Et je peux dire que c'est une illusion. Et seulement ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie peuvent le faire.
ceux qui ne sont pas au courant du courage de la Fédération de Russie. Mais comme je l'ai déjà dit, parmi les questions les plus importantes lors de notre réunion sera la situation au Proche-Orient, qui est inquiétante. Et comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un conflit de longue date qui ne peut être réglé pendant des dizaines d'années. Et ce conflit au Proche-Orient est parmi les plus sanglants des dernières années. Au cours des combats dans la bande de Gaza, plus de 40 000 personnes sont mortes. La plupart de ces personnes sont les civils. Et je le souligne encore une fois, nous nous sommes toujours prononcés contre toutes les manifestations du terrorisme. Les hostilités qui ont commencé dans la bande de Gaza il y a un an se sont propagées au Liban maintenant, et d'autres pays de la région sont également touchés. La confrontation entre l'Iran et Israël augmente, et cela ressemble un cycle de violence. Le nombre de personnes déplacées augmente également, et plus de 1,5 million de personnes sont désormais déplacées. Des infrastructures civiles, des hôpitaux, des écoles sont bombardées et détruites, et les destructions se poursuivent. La Fédération de Russie a beaucoup de questions à aborder, beaucoup de questions pertinentes qui devront être résolues. Nous le ferons. Nous essayons de le faire. Dans le même temps, nous avons toujours essayé de contribuer au règlement pacifique de la situation au Proche-Orient. C'est pourquoi, après le déclenchement de la situation au Proche-Orient, nous, les pays des BRICS et nos partenaires, nous sommes engagés dans le règlement pacifique. Et comme vous le savez, nous avons tenu un sommet d'urgence de notre organisation en novembre 2023. La question la plus urgente, c'est l'organisation d'un processus politique afin de résoudre la crise dans la crise au Proche-Orient. Il est important de mettre fin aux violences. Il faut alléger les souffrances de ceux qui ont été touchés par ce conflit. Et le règlement de ce conflit doit se baser sur le respect du cadre légal international, ce qui prévoit la création d'un État palestinien indépendant qui coexiste en paix avec Israël. Et la réparation de cette injustice historique envers le peuple palestinien peut garantir la paix au Proche-Orient. Mais alors que cette question n'est pas résolue, il est impossible de se débarrasser de ce cycle de violence. Les personnes vont vivre dans ces hostilités, dans cette violence sans précédent. Et je tiens à le répéter, l'exigence clé pour rétablir la paix au Proche-Orient, c'est la réalisation de la solution à deux États qui a été adoptée par les Nations Unies et par le Conseil de sécurité. Je tiens à souligner que les pays qui sont présents aujourd'hui ont d'énormes opportunités et d'énormes ressources. Ces pays ont une grande opportunité sur la scène internationale, et ces pays, ils utilisent tout leur potentiel afin de contribuer à la stabilité et à la sécurité internationale, à promouvoir des processus de développement sur la scène internationale. Vous savez, plusieurs pays des BRICS ont proposé plusieurs initiatives en ce sens. La Russie s'est prononcée en faveur de la création d'un système de la sécurité indivisible européen nazi. Il est nécessaire de garantir une véritable stabilité. Il est nécessaire de créer des conditions pour la vie, pour la bonne vie de toute la population du continent. Il est important qu'aujourd'hui, c'est la journée des Nations Unies, c'est le 24 octobre 1945 que la Charte des Nations Unies a été approuvée. Il s'agit des principes qui sont, pendant presque 80 ans, une base de la législation internationale. Cette institution internationale jouera un rôle clé dans la stabilité internationale. Elle devra contribuer
au développement économique de tous les pays, mais nous considérons qu'il faut adapter la structure des Nations Unies aux réalités du 21e siècle. Il faut représenter au sein de cette institution d'autres pays, notamment d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, notamment les pays dont les dirigeants se trouvent aujourd'hui dans cette salle. Et il en va de même pour les institutions financières des Nations Unies, parce que l'économie a beaucoup changé pendant ces dernières décennies. Et malheureusement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres banques de développement n'y ont pas prêté attention. Les fondateurs de l'Organisation des Nations Unies ont considéré que cette organisation devrait concerter les efforts de toutes les nations, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire face à tous les défis, résoudre les objectifs tels que le terrorisme, résoudre les problèmes tels que le terrorisme, le crime organisé, le trafic de stupéfiants et d'autres. Et ces fondateurs considéraient que les Nations Unies devraient assurer la croissance économique de tout le pays. Il est évident que la croissance économique, que ce sont les pays en développement qui connaîtront une croissance suivante, donc il faut utiliser tout le potentiel de nos économies en développement. Nous avons l'objectif d'augmenter les investissements dans les pays d'Afrique, dans les pays du Sud. Il faut se focaliser sur les investissements dans de grands projets. Il est important de trouver une alternative. Il est important de développer des mécanismes qui soient libres du diktat occidental. Il faut mettre en place des chaînes d'approvisionnement. Il faut partager l'expérience. Il faut augmenter les capacités des couloirs de transport. Et la Russie, maintenant, essaie de mettre en place de tels projets. Nous travaillons à l'inauguration du couloir Nord-Sud, par exemple, et nous invitons tous les pays qui y sont intéressés à y prendre part. Comme vous le savez, le changement climatique est un rôle central dans les problèmes d'aujourd'hui, et l'agenda climatique doit bénéficier d'une importance particulière. Il faut utiliser les technologies afin de lutter contre le changement climatique. Il faut aider les pays de lutter contre ce changement climatique. Et je le souligne que la Russie, elle essaye de participer au processus de lutte contre le changement climatique. La Russie est parmi les leaders en ce qui concerne la réduction des émissions à effet de serre. L'économie de la Russie est parmi les plus vertes dans le monde. Et le taux de l'énergie verte en Russie constitue 85%. Sur le territoire de la Fédération de Russie se trouve 20% des forêts mondiales qui permettent de réduire ses émissions à effet de serre. La Russie contribue beaucoup à l'alimentation, à la sécurité alimentaire dans le monde. Et cette année seulement, nous avons exporté des milliers de tonnes d'engrais. Nous sommes parmi les leaders sur le marché de vecteurs énergétiques, notamment. Et dans le cadre des BRICS, nous avons initié la création d'une bourse de grains, et nous considérons qu'un tel mécanisme contribuera à la création d'un régime de commerce entre les pays des BRICS et entre les pays des BRICS et les partenaires de cette organisation. Et pour conclure, je tiens à souligner que la Russie, comme tous les pays des BRICS, est prête à coopérer avec tous les pays du Sud. La Russie est prête à promouvoir le développement stable, le développement durable, afin de parvenir à un meilleur monde où les intérêts de tous les pays soient respectés, où la souveraineté, l'identité culturelle de ces pays soient respectées, un monde où les traditions, où la culture de tous ces pays et la religion soient respectées. Et j'espère que les discussions d'aujourd'hui seront fructueuses, et j'espère
J'espère qu'à l'issue de cette réunion, nous parviendrons à la résolution de certains objectifs. Je vous remercie et je donne le micro au président de la Chine, M. Xi Jinping. Je vous en prie. Monsieur le Président Poutine, chers collègues, je remercie le Président Poutine et le gouvernement de la Fédération de Russie d'avoir organisé ce sommet des BRICS+. Je suis ravi de retrouver ici tous nos collègues. Je suis ravi de rencontrer nos amis de longue date ainsi que nos nouveaux amis ici. La croissance des pays du Sud est un signe du monde actuel qui change, qui se développe sans cesse. Les pays du Sud, ils aspirent à la modernisation. Les pays des BRICS, ils aspirent à la modernisation et cela est un événement marquant de l'histoire. Et c'est une importante entreprise de toute l'humanité. Mais face à des défis importants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les pays du Sud, la voie des pays du Sud vers le développement ne sera pas facile. Nous, en tant que les pays leaders des BRICS, nous sommes obligés de concerter nos efforts et nous devons assumer avec courage la responsabilité de la création du meilleur avenir pour l'humanité. Nous devons être un facteur constructif de la protection de la défense de la sécurité mondiale et nous devons également nous focaliser sur la résolution de conflits dans des points chauds. Notre initiative sur la stabilité mondiale a été saluée et cette initiative portée sur plusieurs domaines. La Chine, tout comme le Brésil, ont publié un consensus comportant 6 points, un consensus concernant le règlement du conflit en Ukraine. Nous avons initié la création d'un groupe des amis de la paix au sein des Nations Unies et il faut mettre un terme au plus vite possible à cette crise. Il faut mettre en œuvre un processus politique. En juillet de cette année, à Pékin, s'est tenue la conférence pour la paix en Palestine, à l'issue de laquelle nous avons fait un pas important vers le règlement pacifique proche-orient. Nous devons contribuer à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et nous devons privilégier la solution à 2 États afin d'éviter la guerre au Liban et afin d'éviter les souffrances des civils en Palestine et au Liban. Il est important de recommencer le développement au bien-être de toute l'humanité. Le Sud, les pays du Sud sont prêts à se développer. Nous devons être une force centrale pour le développement de ces pays. Nous devons jouer un rôle actif dans le développement de ces pays et nous devons jouer un rôle central dans la réforme de la gestion. Et nous devons également jouer un rôle central dans l'agenda économique mondial. Aujourd'hui, presque 20 milliards de dollars américains ont été alloués afin de réaliser des milliers de projets. À Shanghai, nous avons inauguré le centre d'intelligence artificielle.
centre de l'intelligence artificielle, nous allons créer également une plateforme de coopération numérique et un centre des pays des BRICS, et nous saluons et nous invitons tous les pays des BRICS à y prendre part. Il est important de dynamiser les échanges culturels pour parvenir à la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est un signe important de notre humanité. Il est important d'être partisan de cet échange culturel. Il faut soutenir un tel dialogue, un dialogue en ce sens. Il faut... Et l'initiative civilisationnelle qui a été proposée par la Chine vise à la création d'un jardin des civilisations en prospérité. La Chine est prête à créer une alliance des centres logistiques des pays du Sud avant de promouvoir un dialogue stratégique et afin de réformer le système de gestion dans les pays du Sud. Chers collègues, à l'issue du troisième congrès du Parti communiste chinois, nous avons mis en œuvre un plan visant à mettre en place une telle réforme et un plan visant à moderniser encore l'économie chinoise, ce qui va être bénéfique pour tout le monde. Lors de la réunion de l'Union de la coopération africaine, nous avons publié un plan de coopération avec l'Afrique qui comportait 10 points afin de poursuivre encore la modernisation des pays du Sud, et cela donnera un nouvel élan à la modernisation des pays du Sud. Malgré la situation sur la scène internationale, la Chine soutiendra toujours les pays du Sud. La Chine soutiendra l'adhésion des pays du Sud au BRICS en tant que partenaire de cette organisation ou au format BRICS Plus. Au format les BRICS Plus, il faut faire tout cela pour agir au bien-être de la population. Je vous remercie. Je remercie le président Poutine. Je remercie le président Poutine pour la parfaite organisation de ce sommet. Merci. Merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le coprésident. La Chine fait beaucoup pour le développement des BRICS et pour l'amélioration de la situation sur la scène internationale grâce à ses ressources financières, administratives. Et pour tout ça, je vous remercie. Je voudrais donner maintenant la parole à nos amis égyptiens, le président de l'Égypte, M. Al-Sisi. Merci. Monsieur le Président, au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux, Votre Excellence, Monsieur le Président de la Russie, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, j'aimerais tout d'abord vous remercier et remercier Son Excellence Monsieur Poutine de son invitation à prendre part à l'Assemblée plénière de notre Union BRICS Plus. J'aimerais de même saluer les chefs d'État et de gouvernement qui participent à cette réunion, ce qui constitue donc une alliance importante. Il s'agit de travailler avec l'ensemble des pays de l'Union. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, notre assemblée d'aujourd'hui a lieu dans une situation internationale difficile, situation de crise et de défi auquel nous sommes confrontés. Tout ceci représente une menace contre le système multipolaire.
Et avec d'autres chefs d'État, nous nous sommes exprimés en faveur d'efforts de l'ensemble des pays, y compris les pays en développement, pour une coopération sud-sud. À cet égard, j'aimerais dire qu'on ne peut pas parler de crise et de défis internationaux sans aborder ce qui se passe au Proche-Orient, notamment la guerre d'Israël qui se poursuit depuis plus d'un an contre le peuple arabe de Palestine. Gaza vit sous la répression, le crime de masse et ses actions agressives se propagent sur le territoire du Liban. Outre cela, il est essentiel de dire que l'absence de mécanisme qui permettrait de tenir responsables ceux qui ont déclenché cette guerre et qui violent les droits de l'homme et l'ordre juridique international consacré par la Charte des Nations Unies, ainsi que le droit humanitaire, tout cela doit être tenu responsable. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont confrontés à une menace en mer Rouge et dans le Golfe Persique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous considérons que le Forum BRICS Plus a énormément de valeur. Nous pensons que c'est une plateforme de coopération et de consultation entre les pays des BRICS, les pays du Sud, et je voudrais souligner les points suivants. D'abord, il faut faire le nécessaire pour tirer le maximum de profit de la coopération dans le cadre des institutions financières. Deuxièmement, nous apprécions beaucoup toutes les réunions, comme celle d'aujourd'hui, visant à renforcer la coopération sud-sud et visant à stimuler les mécanismes comme l'échange d'expériences dans divers secteurs, notamment les projets communs. De même, il est important de consolider les mécanismes de nos consultations réciproques. C'est très important puisque nous devons nous opposer à toutes les tentatives de nous imposer un ordre. Et en conclusion, j'aimerais exprimer la volonté de l'Égypte de coopérer dans le cadre des BRICS, ce qui est l'ensemble de nos objectifs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à l'Égypte, qui travaille de manière active au sein des BRICS en tant que membre de plein droit, nouveau membre de plein droit. Nous comptons sur votre pays et sur sa contribution pour le développement de nos travaux. Je donne maintenant la parole au représentant du secrétaire d'État de la République fédérative d'Éthiopie. Vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des délégations, j'aimerais remercier Son Excellence le Président Vladimir Poutine de l'organisation de ce rassemblement important des pays du Sud. Ces délibérations
entre pays en développement et économies émergentes nous permettent de réfléchir à comment renforcer la coopération sud-sud et comment mettre l'accent sur comment faire progresser nos objectifs et notre vision commune et accélérer le développement dans nos pays et ainsi que les mesures visant à réformer la gouvernance mondiale. Monsieur le Président, Excellence, en tant que pays du Sud, nous portons une responsabilité historique ainsi qu'une occasion de réunir nos forces pour d'aligner nos positions pour nous confronter aux nombreuses difficultés auxquelles fait face le monde. Nous pouvons contribuer à la réduction des conflits qui dévastent de nombreux pays dans de nombreuses régions et nous pouvons contribuer à soulager les souffrances humaines. Nous devons faire tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de développement en mobilisant des financements et en soulageant la dette pesant sur nos économies. Une restructuration prévisible de la dette contribuera à un développement durable. L'accès au financement concessionnel essentiel basé sur des conditionnalités pour une autonomie des pays en développement vont faciliter les réformes économiques. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, l'influence des marchés émergents dans les pays en développement est essentielle. C'est pourquoi il est important de savoir qu'il nous incombe de faire preuve de solidarité, d'une voix commune et de faire levier pour des réformes de gouvernance mondiale. L'Éthiopie est en faveur de l'économie multilatérale et nous pensons qu'il faut stimuler une coopération. Nous devons travailler main dans la main en faveur d'une démocratisation du processus de prise de décision en étendant la représentation des pays du Sud, en particulier en Afrique, pour ce qui est de la gouvernance des institutions économiques. Nous devons également travailler en faveur de la révision des quotas en faveur des pays en développement. Les pays du Sud doivent s'efforcer et stimuler le dynamisme pour la création de nouvelles structures de financement et de développement. Monsieur le Président, Excellence, la coopération entre les pays du Sud a le potentiel d'améliorer la capacité de productivité des pays. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour davantage d'investissements, développement de finances et le développement du tourisme. Nous devons tenir compte des questions liées à l'accroissement de la population et nous devons travailler à davantage de connectivité pour améliorer le commerce mondial dans les pays du Sud. C'est pourquoi il nous faut lever les obstacles commerciaux, étendre l'élimination des droits de douane. Monsieur le Président, nous sommes très préoccupés par l'escalade du conflit à Gaza et au Liban qui cause d'énormes souffrances physiques avec des conséquences humanitaires énormes. Nous devons trouver des solutions pour la crise au Proche-Orient. Nous devons permettre le dialogue visant à mettre fin au conflit. Et les civils doivent être protégés. Tous les acteurs régionaux principaux doivent faire preuve de restrictions et doivent s'abstenir de la violence et doivent régler leurs différends autour de la table des négociations. Nous sommes en faveur de deux États vivant côte à côte conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En conclusion, l'Éthiopie pense que la coopération sud-sud
doit permettre de traiter les défis liés au maintien de la sécurité et de la paix, soulager la pauvreté, promouvoir le développement et atténuer les effets des changements climatiques. Par conséquent, je vous réitère l'engagement de mon pays en faveur des consultations des engagements des BRICS sur les marchés émergents dans les pays en développement, reposant sur l'égalité, la solidarité et le respect mutuel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup à l'Éthiopie et à son travail, notamment s'agissant travail sur le développement de votre pays et en Afrique d'une manière générale. Je pense que vous allez beaucoup apporter à notre association. Je vous remercie. Je donne la parole au représentant de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux, Monsieur le Président Poutine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, des gouvernements, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'espère que grâce au forum interactif BRICS et pays du Sud, eh bien, nous allons permettre faire un pas vers l'amélioration du système et de l'ordre international entre nos pays. Ce sommet est le premier sommet BRICS plus après l'élargissement, ce qui a une signification très importante pour tous les membres. La création, l'acceptation des nouveaux membres cette année stimule la coopération et démontre le succès et la croissance de ce groupe et de cette union. Monsieur, cher ami, cher collègue, nous devons créer des relations d'amitié constructives basées sur les réalités, ce qui est le souhait de beaucoup de pays et acteurs qui veulent se libérer de l'unilatéralisme et de l'hégémonie du monde unipolaire. Beaucoup de structures doivent s'appuyer sur les questions comme pour réformer le Conseil de sécurité, le FMI et beaucoup d'autres institutions qui ont perdu leur efficacité. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que c'est sur la raison pour laquelle nous devons créer un nouveau modèle de coopération et de coopération au niveau régional et international. Les BRICS travaillent en faveur d'un monde meilleur, c'est un fait. Car nous ne pouvons pas y arriver seuls. Il s'agit de travailler sur une volonté commune et sur pour des changements fondamentaux, une réforme du système actuel pour un ordre plus équilibré, plus juste et plus stable. En d'autres termes, un monde débarrasser des sanctions, des actes d'agression, des guerres et du génocide. Au cours de cette dernière année, notre monde a connu de nombreux événements, de nouveaux défis à la sécurité et à la paix. Nous avons entendu beaucoup de positions, mais il y a eu beaucoup de menaces. Le régime d'Israël a violé les normes internationales et la souveraineté des pays étrangers. Malheureusement, nous avons vu des crimes contre les femmes et les enfants. La guerre, malheureusement, continue à Gaza et les institutions internationales, les instances et en premier lieu le Conseil de sécurité de l'ONU. Ne peut pas servir d'instrument pour permettre un cessez-le-feu. Et les États-Unis et le régime sioniste fait tout son possible pour
accroître les zones de guerre. Nous sommes convaincus du fait que les crises internationales ne peuvent pas être résolues sans efforts communs. C'est pourquoi, dans le cadre de notre union, nous essayons de créer de nouvelles relations, notamment des relations commerciales, pour renforcer la coopération internationale. Je pense que malgré l'ensemble des nouvelles normes et droits de l'homme toutes les sanctions menacent l'ordre international et limitent la portée politique. C'est pourquoi les BRICS et les BRICS Plus doivent élaborer et introduire un système juste et inclusif sans discrimination, basé sur des principes de coopération pour bâtir des mécanismes impartiaux et transparents de commerce en mettant l'accent sur le Sud, sur les pays du Sud. Les sanctions illégales constituent une violation de l'ordre international. Cela rend plus difficile la coopération internationale et cela la rend moins efficace. Cela génère un climat de dégradation et de l'environnement et de l'aide humanitaire. Monsieur le Président, avec les pays, donc le groupe BRICS Plus, revêt une dynamique très importante. Cela crée des possibilités qui permettent de créer des relations économiques plus profondes, ce qui peut apporter des résultats essentiels en utilisant les devises nationales et des nouvelles plateformes de devises numériques avec des réserves s'appuyant sur des nouvelles circonstances et de nouvelles situations. Cela peut créer un monde meilleur pour tout le monde, ce à quoi nous nous efforçons. L'intelligence artificielle aura une influence stratégique sur notre vie, sur notre avenir multilatéral. Et ceci doit permettre un accès, il doit y avoir un accès pour tous aux nouvelles technologies. Nous devons travailler ensemble, nous devons coopérer les uns avec les autres, nous devons partager nos efforts et nos technologies. Mes chers collègues, l'extension géographique des BRICS est quelque chose d'essentiel, car cela permet de créer des liens transcontinentaux basés sur des intérêts et des objectifs communs, ce qui aura une influence pour réduire sur le fond les difficultés et améliorer le bien-être de l'ensemble de la population du monde. L'avenir appartient aux pays qui jouent un rôle important pour créer un nouvel ordre entre tous les pays. En conclusion, j'aimerais une fois encore remercier mon ami Monsieur Vladimir Poutine de son accueil excellent et remercier donc de cet accueil dans la ville. Je vous souhaite plein succès à tous. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le Président. Nous comptons beaucoup sur votre travail actif en faveur de notre union. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans mes paroles liminaires, nous comptons sur vous pour l'amélioration de la situation à Gaza et dans la région. Et nous comptons sur le fait que tout sera fait pour atténuer et pour réduire les tensions s'agissant des conflits dans la région. J'ai parlé hier avec tous nos collègues et nous souhaitons tous que les difficultés dans la région soient résolues le plus vite. La parole est maintenant au président
de la République sud-africaine, M. Ramaphosa. Vous avez la parole. Excellence, M. Poutine, Mesdames et Messieurs les dirigeants du pays du Sud et des institutions régionales, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par féliciter le président Poutine pour la manière avec laquelle il a conduit cette réunion. Et hier, nous avons pu adopter une déclaration importante. L'engagement des BRICS Plus est une plateforme importante pour développer des liens forts entre les pays des pays du Sud et des marchés émergents qui vont utiliser cette plateforme pour stimuler des engagements importants. Nous devons utiliser la plateforme des BRICS pour contribuer au développement économique, social et culturel de nos populations. Nous nous félicitons, nous saluons l'initiative russe visant à renforcer un certain nombre de mesures des BRICS qui ont été mises sur la table, comme les réseaux de transport et la connectivité. À de nombreux égards, cela permettra de trouver des solutions pour approfondir l'interconnectivité de façon nouvelle et imaginative. La zone de libre-échange sur le continent africain contribuera de façon significative à créer de nouvelles opportunités pour des échanges et des investissements nouveaux pour les entreprises régionales et locales. Cela permettra de créer un nombre important d'opportunités conduisant à un continent intégré et connecté. Le marché unique aérien continental en Afrique qui est présenté par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 63 va permettre de créer un marché unique en Afrique pour appuyer l'intégration économique du continent. Pour les BRICS et pour les amis des BRICS, nous devons utiliser ces projets pour connecter davantage les pays du Sud. La promotion d'une meilleure connectivité régionale ne peut fonctionner que dans un environnement de paix et de stabilité. Excellence, l'Afrique du Sud est préoccupée de l'action militaire menée par Israël à Gaza. Nous l'avons caractérisée comme génocide. Et tout ceci est très profondément préoccupant. Ce génocide implique que l'Afrique du Sud s'est adressée à la Cour internationale de justice pour stopper les meurtres d'innocents, femmes et enfants à Gaza. Nous pensons que le monde ne peut pas rester les bras croisés et regarder le meurtre des innocents. L'Afrique du Sud a été implacable dans ses efforts pour établir un État palestinien viable, existant aux côtés en paix, aux côtés d'Israël en paix, dans des frontières reconnues sur le plan international et reposant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale. Ceci doit se faire conformément à toutes les résolutions de l'ONU et au droit international et aux paramètres communément acceptés sur le plan international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et les autres instances doivent traiter la question de ce conflit.
le continent africain voit l'entrée dans une seconde année de dévastation. Horrible. Les conflits se prolongent en Afrique et nous devons trouver des solutions durables à tous ces conflits. Nous devons demeurer attachés à une solution pacifique à tous les différends par la négociation et un dialogue inclusif. Et nous devons sauvegarder la capacité des États à mener des politiques étrangères indépendantes. Nous devons sauvegarder le système multilatéral parce qu'il est la pierre angulaire des règlements internationaux qui stimulent un environnement de paix et de développement. Les mécanismes institutionnels mondiaux existants doivent être à la fois renforcés et réformés pour jouer un rôle constructif pour la paix et la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas permettre les conflits de se poursuivre de façon perpétuelle. Nous devons trouver des voies vers la paix dans notre quête pour un monde juste, prospère et interconnecté. Nous avons la capacité de favoriser un environnement de paix par le développement durable. Nous devons continuer d'appuyer les nations et les populations qui cherchent à mettre fin au cycle des conflits et qui cherchent la paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. L'Afrique du Sud fait beaucoup pour développer notre organisation pour que la situation en Afrique se développe de manière positive. Et je donne la parole au ministre des Affaires étrangères du Brésil. Excellentissimo Senhor Presidente Putin, Vos Excellences, Monsieur le Président Poutine, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers invités, pour moi, c'est l'honneur de représenter le président brésilien Lula da Silva lors de cette séance des BRICS. C'est un plaisir de se trouver ici parmi les amis des BRICS et particulièrement, je suis heureux que nous ayons pris la décision hier. Les BRICS, ce n'est pas juste organisation, ce n'est pas juste 5 lettres. Derrière ces 5 lettres se trouve la réalité qui a été construite pendant plusieurs années. Les BRICS le BRICS doit son autorité au mouvement de l'alignement et au groupe des 77. Nous sommes une force, une locomotive du développement économique. Les pays du Sud, c'est une force positive du monde et la Ligue arabe, à l'époque, a présidé l'initiative permettant de régler et résoudre le conflit dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, l'Égypte, par exemple, est un joueur important pour régler cette situation et le Qatar servit de pont entre Israël et la Palestine. Et en octobre, de l'année dernière, c'était ce pays qui a proposé une résolution aux Nations Unies. C'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est adressée au cours international de justice afin de mettre un terme au génocide israélien dans la bande de Gaza. Et elle a voté pour la résolution contre les hostilités dans la bande de Gaza aux Nations Unies. Les actions d'autres pays, toutefois, ont été plus que décevantes. Tous ceux qui se comportent comme des défenseurs des droits de l'homme, ils sapent l'autorité des Nations Unies, ils sapent l'intégrité du droit international.
Nous ne parviendrons pas à la paix tant qu'il n'existe pas d'État palestinien indépendant. La décision de créer un tel État palestinien a été prise il y a 75 ans par les Nations Unies, mais la même ONU qu'a créé Israël maintenant est reste les bras croisés. Il n'y a pas de justification aux attaques terroristes, bien sûr, du Hamas, mais l'action disproportionnée d'Israël n'a pas de justification non plus. La bande de Gaza a subi d'importants bombardements de la part d'Israël, et compte tenu de ce qui se passe au Liban, il est important d'être prudent pour que ce conflit ne se dégénère pas en une guerre à pleine échelle. Il est important d'éviter l'ultérieure désescalade du conflit en Ukraine. Et le message qu'essaie de donner le Brésil et la Chine, c'est ça, il faut mettre un terme au conflit en Ukraine, il faut trouver une solution à long terme, et ce n'est qu'en respectant le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ce n'est qu'en respectant les intérêts de ces pays que nous pouvons parvenir au règlement de ce conflit. Nous devons nous focaliser sur la résolution des problèmes les plus pertinents de l'actualité. Le Brésil a choisi le chemin de lutte contre le changement climatique, de l'intégration. Ce sont nos priorités. Et lors de notre présidence, nous allons poursuivre notre politique de la même manière. L'exemple de Cuba montre que, vous savez, que l'économie de Cuba souffre pendant ces derniers 60 ans. Aujourd'hui, tout est fait afin d'aggraver la situation énergétique et la situation dans le domaine de la santé dans ce pays. Nous soutenons pleinement le peuple cubain, et nous espérons que des mesures seront prises à cet égard. Nous espérons que Cuba sera exclu de la liste des pays sponsorisant le terrorisme. Nous considérons qu'une telle inclusion dans cette liste a été illégale. Nous sommes pour l'intégration économique, nous sommes pour la lutte contre le changement climatique, et nous sommes pour la réforme administrative. Nous sommes pour la création des institutions financières mondiales, nouvelles institutions financières mondiales. Nous invitons tous les pays à se joindre aux activités de l'Alliance contre la famine. Nous essayons d'utiliser toutes nos ressources pour réaliser notre politique en la matière. Nous appelons tout le monde à contribuer davantage à la lutte contre le changement climatique. Pour nous préparer à la COP30, nous devons être plus courageux. Nous ne devons pas nous renoncer au principe de la responsabilité commune mais différenciée. Nous ne pouvons pas être derrière, nous ne pouvons pas traîner derrière la transformation numérique. Nous ne pouvons pas être derrière ceux qui fournissent des ressources importantes. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous ne pouvons pas juste observer la révolution de l'intelligence artificielle. Nous devons prendre une part active dans le développement de cette intelligence artificielle. Cette année, la présidence du G20 a adopté l'appel à la réforme administrative qui a été soutenu par la plupart des pays qui sont présents dans cette salle. Le Brésil envisage l'opportunité de proposer des changements à la Charte des Nations Unies lors de la réunion de cette organisation, et lors de notre présidence tournante l'année prochaine. Nous allons accorder une importance particulière au développement des pays du Sud pour le bien-être de l'humanité. Merci. Merci pour votre contribution dans notre travail, et je donne le micro au représentant de l'Inde. Merci. Vos Excellences, Monsieur le Président Vladimir Poutine,
Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, pour moi, c'est un honneur de représenter Monsieur Narendra Modi. Et permettez-moi de vous remercier également de l'organisation parfaite de ce sommet. Mesdames, Messieurs, nous sommes confrontés à un paradoxe. Aujourd'hui, il y a d'énormes changements, mais certains problèmes ne font que s'aggraver. D'une part, il s'agit de la diversification de la consommation. Les pays qui ont été dépendants de la colonisation ont accéléré leur développement économique. Ils ont le potentiel, le nouveau potentiel, de nouvelles opportunités. Ils ont de nombreuses opportunités d'utiliser leur potentiel et leur talent. Dans le même temps, il y a un déséquilibre sur la scène internationale et nous devons aujourd'hui envisager la création d'un véritable monde multipolaire. Les BRICS aujourd'hui témoignent du fait que le monde actuel se change et nous voyons que les problèmes qui datent de plusieurs années s'aggravent aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes dans la gestion des ressources et dans la gestion des technologies modernes. Il faut admettre que les avantages de la modernisation ne sont pas répartis de la manière juste. Et la pandémie du COVID-19 a aggravé le fardeau que portent les pays du Sud. La situation dans le domaine de la santé s'est aggravée et le sommet du futur a souligné que le monde a été confronté à de véritables menaces. Et il est devenu évident que nous pourrions ne pas parvenir à un développement durable. Il faut réfléchir à la question de savoir comment nous pouvons parvenir à l'ordre mondial. Il faut tout d'abord augmenter le nombre de plateformes internationales. Il faut réduire au minimum la dépendance de ceux des pays auxquels nous pouvons renoncer. Deuxièmement, nous pouvons réformer les institutions et les mécanismes qui existent déjà. Je pense notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons réformer la composition de ce conseil. Les banques de développement, ils également font face à des problèmes. Leurs procédures sont vieilles, tout comme les procédures des Nations Unies. Lors de la réunion du G20, nous avons essayé de nous occuper de cette question et nous sommes heureux que le Brésil, ils essaient de faire de même. Il faut créer de nouveaux hubs de production et il faut assurer la stabilité des chaînes d'approvisionnement pour assurer la stabilité et la sécurité dans chaque région. Chaque région doit bénéficier de ses propres capacités industrielles. Quatrièmement, nous devons remédier à ce déséquilibre sur la scène internationale. Il faut que plus de pays soient plus connectés. Nous devons ainsi nous pourrons lutter contre les risques. Avec cela, il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale. Enfin, nous devons partager nos expériences. Nous créons des infrastructures numériques. Nous pouvons créer des infrastructures de transactions numériques. Il s'agit d'un objectif important. La coalition pour la création de ces infrastructures qui soient résilientes à des chocs doit également être créée. Et ce sont les initiatives qui sont saluées par les pays du monde, par la plupart des pays du monde. Ces initiatives nous permettent de lutter contre les crises, contre les problèmes. Il faut contribuer à la mise en œuvre de ces initiatives. Vos Excellences, il faut répondre
aux problèmes d'actualité. Le Premier ministre Narendra Modi, la Première ministre a souligné que tous les problèmes doivent être résolus par la voie diplomatique et il faut respecter, lorsqu'on essaie de régler ces conflits, il faut respecter le droit international, sans exception. Nous ne devons pas tolérer le terrorisme dans toutes ces manifestations. Vos Excellences, la situation au Proche-Orient est inquiétante. Nous avons peur que le conflit ne se propage dans d'autres régions. Le commerce maritime a également beaucoup souffert à cause de ce conflit. Les pertes et les dommages de ce conflit ne feront qu'augmenter et notre approche doit être constructive. Et cette approche doit aboutir à la mise en œuvre de la solution à deux États. Vos Excellences, nous devons réfléchir aujourd'hui à tous ces problèmes dont j'ai déjà parlé et nous devons être courageux. Merci. L'Inde a une croissance énorme, 7% du PIB, avec une augmentation de la population de 10 millions chaque année. Cela contribue énormément au développement de notre organisation et je vous félicite pour tous les succès que vous avez connus. Je donne la parole au vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président Poutine, tout d'abord, je voudrais vous saluer de la part du Président des Émirats Arabes Unis. Je voudrais vous remercier et remercier également la présidence russe des BRICS. Nous apprécions beaucoup les efforts qui visent à renforcer le dialogue politique au moment où nous avons besoin d'efforts communs afin de lutter contre les défis actuels. Et aujourd'hui, lorsque la Russie a assumé la présidence tournante des BRICS, nous avons une vision commune s'agissant non seulement de la résolution des problèmes, mais s'agissant de notre avenir qui garantisse la prospérité de tous les peuples du monde. Il faut dire que les BRICS ne couvrent pas seulement la coopération économique. Il s'agit d'un modèle de coopération qui permet à nos pays d'utiliser l'expérience l'un de l'autre. Et c'est la base de notre politique. C'est la pierre angulaire de notre politique. Et nous sommes convaincu que la véritable coopération devrait se baser sur les intérêts communs et non pas sur les buts lucratifs. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec nos amis, avec les partenaires des BRICS. Aujourd'hui, nous voyons que le monde est confronté à des défis sans précédent qui touchent presque chaque pays, quel que soit son niveau du développement, quelle que soit sa géographie. Je pense ici à des changements géopolitiques, au changement climatique et à d'autres défis auxquels nous sommes confrontés, notamment dans le domaine de l'énergie. L'objectif de notre coopération au sein des BRICS consiste à respecter la charte des ONU et à respecter les Nations Unies. Nous sommes également attachés à la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde. Et cela est lié à la création
dans un front mondial qui puisse résister aux risques et aux défis actuels. Et ce sont les efforts de ce front qui peuvent mettre fin aux souffrances de la population civile. C'est pourquoi nous appelons à mettre un terme aux hostilités à Gaza. Nous exprimons en faveur de l'acheminement de l'aide humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin dans la bande de Gaza. Au Liban, s'agissant de la situation au Liban, nous il faut que la communauté internationale agisse pour diminuer, pour apaiser les tensions et pour procéder à la désescalade. Il faut également instaurer un cessez-le-feu dans cette région, dans cette partie de la région. Vos Excellences, l'un des objectifs, l'un des sujets les plus importants d'aujourd'hui est le renforcement de la coopération entre les pays des BRICS dans plusieurs domaines tels que le domaine de l'investissement, le domaine du commerce, le domaine du développement durable, le domaine des transports, le domaine de la sécurité alimentaire et dans plusieurs autres domaines. À cet égard, notre État est convaincu qu'il est nécessaire d'élargir notre coopération avec les partenaires des BRICS. Cela permettra de développer notre stratégie économique commune. Dans le monde actuel, la multipolarité n'est pas une alternative, c'est une nécessité, parce que les défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit les défis économiques, les défis climatiques, les pays ne doivent pas lutter contre ces défis à eux seuls, donc il faut appliquer des efforts communs. Notre gouvernement comprend que le rôle important que jouent les pays en développement permettra de parvenir à nos objectifs et nous sommes convaincus que les pays du Sud doivent être nos partenaires afin de parvenir à mettre en œuvre notre politique économique. Notre pays fait partie des BRICS, coopère avec les partenaires des BRICS, avec nos amis. Nous sommes déterminés à parvenir à une coopération ouverte. Nous sommes en faveur du renforcement de notre coopération et de la création de plusieurs institutions internationales en ce sens. Nous soutenons les efforts des BRICS s'agissant du renforcement de notre coopération avec d'autres pays. Nous sommes prêts à approfondir cette coopération dans l'avenir. Vos Excellences, je voudrais remercier la Russie encore une fois pour l'organisation de ce sommet, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, et nous espérons que les travaux qui se sont faits aujourd'hui permettront de parvenir à tous nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous prie de transférer mes bons voeux au président des Émirats Arabes Unis qui n'a pas participé à notre. Je vous remercie. La parole au président de l'Union africaine, président de la Mauritanie, Cheikh Al-Abdounani. Je vous remercie. Je remercie le président de la Fédération de Russie, Excellence. Monsieur le Président Poutine, qui préside les BRICS, mesdames et messieurs, j'aimerais avant toute chose remercier Son Excellence Monsieur Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son invitation aimable à participer à cette session des BRICS réunie sous le slogan « Renforcer le multilatéralisme » comme base
de notre action. Merci de votre invitation et des paroles aimables. Je voudrais exprimer ma satisfaction au nom, à mon nom personnel et au nom de l'Union africaine, pour la reconnaissance et pour les efforts qui ont été faits pour que l'Union africaine occupe sa place dignement au G20. Excellence, mesdames et messieurs, les BRICS représentent aujourd'hui une plateforme des plus importantes pour la coopération entre les pays du Sud. Et l'élargissement progressif de notre Union nous dit que nous sommes convaincus que le développement n'est pas la prérogative d'un pays ou en particulier. C'est pourquoi nous devons entendre les voix de tous ceux, de tous les membres, de tous nos amis, de tous nos partenaires qui souhaitent observer les priorités que nous avons fixées. Et bien sûr, notre coopération, pour être solide, doit avoir un caractère global. C'est une exigence de base et c'est la position de l'Union africaine s'agissant des objectifs de développement. Nous pensons que tout ce qui consiste à freiner le développement durable et parfois les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tant au point de vue économique que environnemental, eh bien je pense que tout ça doit nous faire agir au niveau du développement des pays et au niveau du déséquilibre qui prévaut. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'Union africaine dans son ensemble, et nous en particulier, avons besoin de mesures pour réanimer, si je puis dire, nos relations. C'est pourquoi nous devons utiliser toutes les possibilités qui nous sont offertes pour développer, pour résoudre les problèmes qui freinent nos efforts en faveur des objectifs de développement. Nous devons ensemble résoudre toutes les difficultés. Et nous voyons que le niveau de représentation du continent africain dans les diverses institutions internationales, en particulier financières, est insuffisant, ce qui ne permet pas d'avancer sur le nouvel agenda mondial. Il est essentiel d'élaborer une nouvelle charte de développement financier qui serait plus souple et plus solide, qui permettrait de créer des mécanismes plus efficaces qu'avant. Malgré la refonte du système financier, le système financier est sans alternative. Et malgré les réformes des règles d'administration et de politique, eh bien, ces réformes doivent être liées aux questions de sécurité. C'est pourquoi nous devons dire que il nous faut éviter toutes les tentatives de créer des systèmes de poids de mesure, et nous devons tenir compte des valeurs humanistes, notamment s'agissant de la Palestine et du Liban. Je voudrais dire que
l'insuffisance de solidarité internationale et de coopération internationale est la source de problèmes, de nos problèmes, notamment en Afrique, lorsque nous n'arrivons pas à en finir avec la violence, le terrorisme, qui malheureusement ruine nos efforts de développement. Nous sommes intéressés par la stabilité et la sécurité au niveau international et en particulier, pour ce faire, nous devons nous unir, faire preuve de solidarité et de coopération multilatérale. Nous devons tous renforcer notre conscience du fait que notre destinée en tant qu'homme, notre destinée est commune, notamment pour le renforcement de la paix et la sécurité. Personne ne peut parvenir à la paix tout seul. Nous devons le faire en utilisant les possibilités qui sont offertes. C'est pourquoi nous sommes en faveur du renforcement de la solidarité internationale et des réformes du système de gestion internationale, d'administration internationale. Et à cet égard, je voudrais de nouveau, depuis cette tribune, m'adresser et m'associer à l'appel lancé par le continent africain en faveur d'un poste de membre permanent au Conseil de sécurité pour que l'Union africaine et le continent africain puissent faire entendre sa voix sur la scène internationale. Cela doit être notre tâche commune. Je souhaite plein succès à notre sommet. Une fois encore, je vous souhaite plein succès et je suis convaincu du fait que le résultat de nos travaux constitueront une contribution importante au renforcement du multilatéralisme dans l'intérêt de la sécurité et d'un monde plus juste pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'Union africaine qui joue un rôle très important sur le continent. Et la Russie a des liens très forts, donc je voudrais vous remercier. Je donne la parole à Monsieur Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie. Monsieur le Président Poutine, je vous félicite du plein succès et de l'efficacité de l'organisation. Durant une courte période, nous avons assisté à une situation où de plus en plus de pays se sont unis pour un monde plus juste, un monde où des États souverains, quelle que soit leur taille et leur puissance militaire, agissent ensemble de manière indépendante, dialogue pour le développement et pour une politique internationale indépendante. Les BRICS sont l'association du futur. Les BRICS peuvent mettre fin à une histoire de domination qui n'a pas permis le développement civilisé des relations internationales. Tous les États participants aux BRICS font en sorte que l'influence passe dans les mains du monde progressif et de la majorité mondiale progressiste. Nous allons avancer des idées concrètes, des projets concrets pour résoudre les problèmes de l'humanité. Nous sommes prêts à participer activement à cette association. La Biélorussie est un partenaire responsable et efficace pour ce qui, et c'est pourquoi nous constituons un élément important pour l'avenir de notre organisation. La participation
de la Biélorussie à l'Union renforcera son caractère global et universel. Permettez-moi de vous parler de certains domaines sur lesquels nous pouvons jouer un rôle particulier. D'abord, la sécurité, le respect mutuel, la sécurité indivisible, la garantie d'un développement sans confrontation est essentielle pour construire un nouvel ordre mondial. Deuxièmement, le développement durable. Pour beaucoup de pays de la majorité mondiale comme pour nous, le développement de relations économiques d'États autosuffisants, basés sur des ressources, sur les questions climatiques, etc., est très important. La Biélorussie travaille à cela. Nous sommes prêts à apporter notre expérience historique et en faire profiter d'autres. Comme, contrairement aux sanctions et aux tentatives de révolution de couleur, eh bien, nous sommes prêts, contrairement à cela, à garantir une bonne qualité de vie, commercialiser les innovations et appliquer les nouvelles technologies. Troisièmement, nous en avons déjà parlé, la lutte contre la faim et contre les changements climatiques. La Biélorussie est l'un des exportateurs mondiaux d'engrais, de denrées alimentaires, de machines et de technologies. Nous pouvons garantir la sécurité alimentaire dans le monde. Nous sommes prêts à coopérer avec des collègues dans les domaines scientifiques, sur les questions d'adaptation au changement climatique et sur l'amélioration des échanges dans le cadre de l'agriculture. Quatrièmement, le domaine humanitaire. La Biélorussie est tellement spécialisé que nous accueillons des représentants de plus de 180 pays en tant qu'État souverain. Et nous avons des écoles scientifiques très importantes. Parmi les priorités, les technologies efficaces sur le plan énergétique, l'ensemble des ressources, l'industrie des biotechnologies, la médecine et les nouvelles technologies. La Biélorussie a des compétences dans le domaine aérospatial et apporte sa contribution à de nombreuses initiatives pour le système satellitaire des BRICS et pour l'étude spatiale. Nous serons heureux de partager notre expérience et nos résultats scientifiques, chers amis. Nous sommes en faveur d'une élévation du niveau de développement pour absolument tous les pays, représentants desquels sont présents dans cette salle. Avec beaucoup, nous partageons une histoire de succès et de collaboration, tant au niveau bilatéral, notamment dans des nouveaux formats. Minsk soutient une volonté en faveur d'être membre de plein droit de votre organisation. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Loukachenko, merci de votre intervention qui démontre, la Biélorussie montre une croissance importante dans le domaine économique et social et bien entendu apportera sa contribution. Merci beaucoup. Le Laos est qui représente également l'association des pays d'Asie du Sud-Est. Vos Excellences, Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, pour moi, c'est un honneur d'être invité au sommet des BRICS+. C'est le président russe qui m'a invité.
La Russie a assumé la présidence tournante de cette année et cela permet à participer aux discussions au sein des BRICS à d'autres pays du Sud et à d'autres partenaires des BRICS. Monsieur le Président et chers amis, la communauté internationale fait face aujourd'hui à de nombreux défis. C'est pourquoi il est de plus en plus difficile de savoir comment la communauté internationale va se développer dans l'avenir. Ces défis posent une menace à la sécurité et à la stabilité mondiale. Ces menaces et ces défis sapent véritablement les efforts de plusieurs pays, notamment les pays en voie de développement. Aujourd'hui, au moment où les BRICS jouent un rôle indispensable dans la réforme de l'ordre mondial, et où les BRICS créent des mécanismes de coopération qui soient utiles et efficaces pour les pays, notamment en voie de développement et d'Asie du Sud-Est, il est à noter que tout cela nous comprend, nous aide à parvenir au meilleur monde. Et justement, c'est le sujet le plus important qui est abordé aujourd'hui. Et je félicite la Fédération de Russie en tant que présidente des BRICS de cette année d'avoir établi des cadres de la coopération et de nous avoir aidés à surmonter à des difficultés économiques. Vos Excellences, le Laos compte sur les mécanismes multilatéraux et nous apprécions beaucoup l'initiative de créer une coopération multilatérale, ce qui est nécessaire afin de parvenir au développement durable et à la stabilité dans le monde. Le Laos est devenu président de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, et nous nous sommes fixés 9 priorités. Parmi ces priorités, l'intégration économique, la croissance inclusive, la coopération militaire et économique, la coopération dans le domaine de la santé et notamment l'élargissement des droits des femmes et de la jeunesse. Outre cela, nous voulons créer un mécanisme spécial qui renforcerait la coopération entre les pays de l'ASEAN et les pays partenaires de l'ASEAN, parmi lesquels figurent certains pays des BRICS. À cet égard, permettez-moi de vous parler de certains aspects. Premièrement, le Laos considère que les BRICS sont un mécanisme important de coopération qui a un potentiel sur la scène internationale. C'est pourquoi nous appelons les BRICS à renforcer leur autorité. Nous appelons les BRICS à se diriger davantage vers la multipolarité. Nous devons renforcer la coopération multilatérale. Nous devons nous entraider et nous devons aider les pays du Sud dans les domaines essentiels tels que le tourisme, la transformation numérique, l'énergie verte, la protection des quotas, le capital humain. Tout cela va créer des conditions favorables pour parvenir aux objectifs du développement durable des Nations Unies d'ici 2030. Cela assurera également l'inclusivité en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Compte tenu de l'autorité croissante des BRICS sur la scène internationale, le Laos veut déposer une demande d'adhésion aux BRICS. Nous sommes prêts à renforcer notre coopération avec les BRICS dans plusieurs domaines. Nous comptons sur votre soutien
et nous espérons que le Laos deviendra un membre à part entière des BRICS. Pour conclure, le Laos est fermement attaché à la coopération avec les pays des BRICS et avec les pays du Sud en développement. Et nous sommes convaincus qu'à l'issue de nos discussions lors de ce sommet, nous renforcerons davantage notre coopération afin de parvenir au meilleur monde, à un meilleur monde. Et je souhaite à tous les participants plein succès. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci d'avoir participé à nos activités en tant que président de l'ASEAN, en tant que président du Laos. L'ASEAN et l'Asie du Sud-Est se développent rapidement et c'est l'une de nos priorités, travailler justement dans cette région. Et je donne la parole au président turc Recep Tayyip Erdogan. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli dostlar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla... Messieurs les présidents, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je vous salue au nom de ma nation. Je suis très heureux de participer à cette réunion des BRICS+. Je voudrais remercier Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux et je félicite le président russe Vladimir Poutine pour l'organisation parfaite de ce sommet et je souhaite plein succès au Brésil qui va assumer la présidence tournante à partir de l'année prochaine. Je remercie tous nos amis qui nous ont présenté leurs condoléances suite à l'attentat qui a eu lieu hier en Turquie. Mais cette attaque terroriste ne fera que renforcer notre détermination à lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Dans plusieurs domaines, nous sommes confrontés au terrorisme, au changement climatique, à de nombreux problèmes dans le domaine alimentaire et les BRICS nous permet de concerter nos efforts dans ces domaines et les BRICS revêtent une importance particulière dans ce contexte-là. Face à ces changements sur la scène internationale, face à des changements dans le domaine financier, nous voyons que le système qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale doit être réformé. Nous devons élaborer une approche plus constructive. Il est nécessaire de tenter de résoudre les problèmes en utilisant tous nos potentiels, en appliquant les efforts communs. Nous sommes convaincus que les BRICS contribuent véritablement à la création d'un monde multipolaire. Outre cela, la Turquie est un pays fondateur de certaines organisations, notamment de l'Organisation de coopération de la mer Noire. Nous participons à des activités de plusieurs plateformes internationales. Nous participons aux activités du G20. Et nous développons notre coopération avec presque tous les pays de la région. Notre coopération se base sur la logique qui
Et nous voulons que tout le monde soit prospère. Nous pensons toutefois que la réalisation de tous ces projets ne peut se faire qu'en assurant la stabilité et la sécurité de nos mondes. Nous ne pourrons pas assurer le développement du monde sans mettre un terme à des hostilités. Et les hostilités dans le monde actuel, ils dépassent toutes les bornes. Je pense notamment à la situation au Proche-Orient. Israël a attaqué le Liban, mais rien ne pourra pas exempter Israël de sa responsabilité. Nous partons du principe que la solution de ce conflit ne peut se faire qu'en créant un État palestinien indépendant avec la capitale à Jérusalem-Est. C'est une exigence indispensable. Les livraisons d'armes à Israël sans aucune condition ne fait qu'aggraver l'insécurité dans la région, et nous avons lancé une initiative visant à en finir avec les livraisons d'armes à Israël, notamment au sein des Nations Unies, et nous comptons sur votre assistance en la matière. Nous devons mettre au plus vite possible fin aux hostilités et aux souffrances des personnes qui vivent dans cette région, et j'espère que cette réunion d'aujourd'hui nous permettra de parvenir à notre objectif. Et une fois encore, je vous félicite de l'organisation de ce sommet. Je vous remercie. La Turquie, sous votre houlette, mène une politique étrangère indépendante, et cela mérite d'être souligné. Nous faisons beaucoup afin de résoudre les problèmes dans la région, et je suis sûr que les travaux de la Turquie dans le cadre de notre organisation seront aussi pertinents. Et je donne la parole au président de l'Ouzbékistan, M. Mirziyoyev. Mesdames, Messieurs, permettez-moi également de remercier le président russe Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux, comme toujours, qui nous a été réservé ici à Kazan, une ville avec une riche histoire où la culture de l'Occident et de l'Orient sont combinées. Lors du discours de mes collègues, j'ai entendu que mes collègues, ils partagent la détermination de coopérer au sein des BRICS afin de résoudre les problèmes d'actualité. Aujourd'hui, malheureusement, le monde, il se dirige vers un écart. Il y a de plus en plus de guerres qui apportent de grandes souffrances à la population civile. La fragmentation de l'économie mondiale aggrave l'inégalité, l'écart technologique et le protectionnisme. Il y a de nouvelles barrières entre les pays, et dans ces conditions, les BRICS, agissant sur le principe de l'égalité, du respect des intérêts des pays, du respect de la souveraineté, les BRICS sert d'une plateforme de coopération efficace, et nous sommes convaincus qu'un tel modèle de coopération pourrait servir une base pour la création d'un monde multipolaire plus juste, avec la préservation du rôle central des Nations Unies. Nous soutenons les appels à parvenir au compromis mondial, et nous soutenons la nécessité de renoncer
au mauvais comportement des pays occidentaux, nous considérons qu'il est temps de procéder à une réforme des Nations Unies. Chers participants au sommet, sous la houlette russe, l'Ouzbékistan a, sous la présidence russe, l'Ouzbékistan a participé au jeu des BRICS. L'Ouzbékistan a participé à de nombreux événements au sein de cette organisation et nous allons renforcer notre coopération avec les pays de cette organisation. Nous allons profiter des opportunités qui nous offrent au sein de cette organisation. Nous voulons renforcer notre coopération afin de résoudre le problème l'inégalité mondiale et de l'incertitude. Il faut soutenir les programmes nationaux des pays en voie de développement visant à surmonter des défis écologiques et sociaux. Il faut diminuer le taux de pauvreté. Il faut moderniser les infrastructures et un rôle important revient ici aux institutions internationales. L'Ouzbékistan est déterminé à établir de bonnes relations avec la nouvelle banque de développement afin de réaliser ses projets. Nous sommes également intéressés à renforcer notre coopération dans les domaines tels que l'innovation de l'économie, l'économie verte, l'énergie, le commerce et sans frontières. Et nous espérons de participer et de prendre part à des projets des BRICS s'agissant de l'intelligence artificielle et il faut également mettre en place des standards communs dans ce domaine. Nous soutenons également les efforts qui ont été menés par les BRICS dans le domaine économique. Nous allons travailler à renforcer la connectivité entre les pays, à la création de couloirs de transport, à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, et j'en passe. Notre priorité sera également donnée à la sécurité alimentaire, à la lutte contre le changement climatique et à la santé. Nous soutenons des contacts permanents avec les pays de cette organisation et nous proposons d'intégrer aux affaires du Conseil d'affaires des BRICS tous les pays qui y sont intéressés. Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au sein des BRICS. Je pense ici au terrorisme international et à l'extrémisme. Il faut donner une importance particulière à la radicalisation et à la propagation de l'idéologie extrémiste, notamment parmi la jeunesse. Nous sommes inquiets de l'aggravation des conflits au Proche-Orient. Ces conflits se dégénèrent de plus en plus en foyers et de plus en plus de pays y sont impliqués. Nous observons avec inquiétude la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Nous observons qu'il y a beaucoup de pertes parmi les civils, notamment parmi les enfants. Aujourd'hui, il est indispensable d'instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de fournir une assistance aux victimes de ce conflit. Et nous pensons que le règlement pacifique est la seule voie de régler ce conflit au Proche-Orient. Il faut mettre en œuvre le principe de la solution à deux États. Et je ne peux pas passer sous silence le problème de l'Afghanistan. Il est important d'aider le peuple afghanistanais afin de l'aider de parvenir au développement. Chers participants au sommet, l'Ouzbékistan est prêt à coopérer étroitement avec les pays des BRICS afin de parvenir à nos objectifs communs du développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'Ouzbékistan démontre, par votre intermédiaire, d'un développement démographique et économique très important. Je voudrais vous remercier également pour le potentiel de développement
Je vous remercie de votre participation à cet événement. Merci beaucoup. Nous sommes très attentifs aux questions liées à la situation en Palestine. Je voudrais maintenant donner la parole au président de la Palestine, M. Mahmoud Abbas. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie et président des BRICS cette année. Mesdames et messieurs les dirigeants des pays membres, je vous félicite tous. Avant toute chose, j'aimerais exprimer ma gratitude envers tous les présents d'avoir invité la Palestine à participer aux travaux du sommet qui permettra le renforcement des pays, des relations entre les pays des BRICS et des pays du Sud en général. Cela permet de renforcer la collaboration dans de nombreux domaines. L'énergie, la sécurité, la culture, le maintien de la paix, et cela permettra de favoriser la solution aux problèmes actuels, particulièrement les problèmes de la Palestine. Grâce à cela, nous allons pouvoir construire un monde meilleur pour tous. À cet égard, j'aimerais féliciter les nouveaux pays qui adhèrent au groupe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie. Votre adhésion au groupe est la démonstration du poids politique croissant des BRICS sur la scène internationale. Nous espérons que l'État palestinien bientôt pourra adhérer et être membre du groupe. Le développement important des BRICS et le nombre croissant de pays souhaitant adhérer démontrent comme jamais la possibilité d'élaborer un nouvel ordre mondial plus juste, plus équilibré, particulièrement dans une des structures multinationales qui connaissent beaucoup de problèmes structurels et de problèmes de vieillissement. Surtout pour ce qui est du maintien de la paix et de les solutions aux problèmes palestiniens. Depuis une année, les Palestiniens souffrent d'une catastrophe humanitaire la plus importante depuis la Nakba de 1948. Israël mène une guerre destructrice, pratique un génocide, une épuration ethnique à Gaza. Et au-delà des frontières de notre terre, ont lieu des crimes dans la partie nord de l'enclave où les gens meurent littéralement de faim. Ainsi, nous sommes les témoins d'une agression des colons de la Cisjordanie. Tout ceci en violation du droit international et de ses normes. Et cela avec un élargissement de la géographie du conflit. Le gouvernement israélien a décidé de fermer le bureau central à Jérusalem-Est. Et ne permet pas le déplacement des réfugiés dans les territoires occupés. Il s'agit d'un refus des pratiques habituelles. C'est pourquoi il est extrêmement important qu'au plus vite se réalise par le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution de cessez-le-feu
et une évacuation des troupes israéliennes de Gaza. L'ensemble des Palestiniens doivent pouvoir revenir dans leurs maisons, y compris les réfugiés, et nous devons permettre une restauration, une reconstruction après le conflit. Mesdames et messieurs, la justice pour les Palestiniens est essentielle pour nous. Après 76 ans de Nakba, de violence contre notre peuple, le moment serait-il enfin venu de mettre fin aux violences, à l'injustice et de reconstruire suite aux activités d'Israël? Il faut réaliser la résolution de l'Assemblée générale suite aux décisions de la Cour pénale internationale. Les Palestiniens doivent être présents sur la terre de Palestine et à Jérusalem-Est. Tout ce qui a été fait en un an est énorme et on pourrait appliquer contre eux des sanctions. Comment pouvons-nous travailler avec l'ONU et les pays intéressés pour organiser une conférence internationale de paix? À cet égard, nous pensons, nous comptons sur le soutien des BRICS, car ce groupe a une influence sur la scène internationale et peut résoudre beaucoup de questions liées à la sécurité. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la Palestine pense que les principes des BRICS sont importants pour conduire la politique, une politique liée au développement, à la justice et au dialogue. Ces valeurs auxquelles aspire le peuple palestinien, eh bien, nous voulons les soutenir et nous pensons que cela aidera le peuple palestinien à obtenir son indépendance et sa liberté. Nous le répétons une fois encore, le vœu du peuple palestinien de s'associer au groupe est réel. Nous voulons renforcer les liens de partenariat et de collaboration, participer aux diverses manifestations du groupe. Nous sommes prêts à adhérer à l'esprit du groupe des BRICS et partager ses valeurs pour la réalisation des objectifs communs et bâtir des ponts du partenariat pour un avenir meilleur pour tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de votre discours et nous vous souhaitons plein succès dans vos travaux lors de ce sommet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez attiré l'attention sur la situation et sur l'esprit des BRICS. Pour ce qui est de la Palestine, bien sûr, malheureusement, il y a beaucoup de conflits armés sur la planète et nous en sommes tout à fait désolés. Mais la catastrophe humanitaire à Gaza est une situation tout à fait particulière. Et ce qui se passe ici ne peut pas ne pas émouvoir, et il émeut les cœurs des habitants de la planète. Tous, nous devons faire notre possible pour traiter le problème à la racine, et à savoir la création d'un État palestinien conformément aux résolutions des Nations Unies, et nous y travaillerons. Merci beaucoup d'avoir participé à nos travaux d'aujourd'hui. Je donne maintenant la parole au président du Venezuela, Monsieur Maduro. Bonjour. Monsieur le Président, Poutine, chers camarades, Mesdames et Messieurs les Présidents, chefs d'État, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, j'avais prévu de lire un discours, mais le dialogue est tellement enrichissant. Il y a eu un ensemble d'éléments et d'apports qui ont fait que j'ai pris des notes.
dans cette recherche permanente pour visant à trouver une il s'agit, suite à 78 ans d'ordre international, de construire un ordre international nouveau. Je remercie le président Poutine d'avoir convoqué un événement unitaire, stimulant et important pour l'organisation. Le Venezuela a participé modestement à l'ensemble de vos instances, des forums ministériels, techniques, politiques, diplomatiques, avec des centaines de réunions enrichissantes à la recherche de solutions pratiques aux besoins de ce monde. L'aspiration d'un monde différent est aussi ancien que l'humanité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la reconfiguration du système des Nations Unies a concentré les efforts de toutes les puissances et de tous les peuples. Et effectivement, s'est établi un système qui a créé un grand espoir, où se sont fixées les bases du droit international, qui a été accepté de façon consciente et volontaire par l'ensemble des pays de la planète. La recherche de changement, comme le rappelait le ministre du Brésil, a trouvé sa base aussi dans la création des pays non alignés, et qui a suscité l'espoir dans les pays 50 et 60. L'Indonésie, Cuba ont été les grands promoteurs de ces grands moments de décolonisation de l'Afrique, de l'Asie, et de recherche d'indépendance et de dignité. Les non alignés ont joué un rôle très important pour leur époque. Le groupe des 77 a jeté aussi les bases, comme l'a rappelé le secrétaire général Gutiérrez. Les BRICS arrivent à un moment où nous assistons à un changement d'époque. Et sont à un moment où sont arrivées de nouvelles superpuissances, des puissances et des pays comme modestement le Venezuela ou comme des régions comme les Caraïbes et l'Amérique latine. Je pense au Nicaragua, à la Bolivie, au Cuba. On fait preuve de leur aspiration et de leurs rêves. Nous aspirons à ce que notre droit à l'indépendance, à l'avenir et au développement soit respecté. Les BRICS ont mis à l'ordre du jour du monde des nouveaux paradigmes. Et je rappellerai la déclaration de Johannesburg et de Kazan, qui parle de nécessité d'un nouvel agenda économique, de solutions pratiques pour le commerce international, avec des solutions pratiques d'échange monétaire. C'est une nécessité, Monsieur le Président. Il faut un nouveau système monétaire mondial. Et il faut l'appeler par son nom et son prénom, parce que nous en avons tous besoin. Il ne s'agit pas seulement de faire des réformettes du système monétaire, des systèmes financiers qui parfois paraissent importantes, mais le problème c'est que cela donne la puissance aux pays coloniaux, aux pays occidentaux qui utilisent les mécanismes hégémoniques des monnaies et du système financier, de l'imposition de paquets économiques et de conditions économiques particulières. C'est pourquoi le Venezuela salue et insiste sur la nécessité de faire progresser
de manière plus audacieuse, la consolidation de la banque des BRICS, un besoin des peuples du Sud pour leur développement, pour qu'ils accèdent à des investissements qui fassent progresser un nouveau système de paiement qui remplacera le système actuel. Le Venezuela a été exclu de tout les systèmes de financement mondial en représailles et en agression, en qualité d'agression. Il nous faut un panier de devises qui s'opposent aux devises de la superpuissance qui va venir en aide à chacun de notre pays. Il faut chercher des solutions pratiques pour les problèmes de développement de la nouvelle économie qui inclut des pays indépendants qui aspirent à davantage de justice sociale et de dignité. En deuxième lieu, il faut refonder le système des Nations Unies. Comme l'a dit le secrétaire général, Antonio Guterres, chaque fois qu'un missile de haute précision tombe sur un immeuble d'habitation à Gaza et tue des hommes, des femmes et des enfants, chaque fois que tombe un missile sur le Sud-Liban, eh bien, ces missiles détruisent et incendient le système des Nations Unies. Où est la Cour internationale de justice? A-t-elle été créée pour persécuter les pays du Sud? Où est le système de justice des Nations Unies? Seulement pour produire des documents, des communiqués? Et la vie des enfants, des petits garçons et des petites filles de la Palestine ne compte-t-elle pas? Nous devons chercher un plan pratique, audacieux, pour refonder le système des Nations Unies qui agonise après l'arrivée des courants fascistes et nazis au long d'une conjoncture historique douloureuse. Un nouveau monde est possible. Nous pensons qu'un nouveau monde est né. Les BRICS sont l'épicentre de la naissance historique de ce monde. Un monde basé sur des principes profondément humains, comme l'a dit hier le président Poutine lors de notre rencontre bilatérale. Le Venezuela fait partie de cette famille des BRICS. Je remercie l'invitation qui m'a été faite à ce sommet des BRICS et nous appliquons les principes des BRICS. Nous les appliquons avec conviction, avec une conviction historique. Cela depuis plus de 100 ans, dans un monde différent. Notre libérateur Simon Bolivar a parlé de la libération des nations, de la libération des continents et d'un nouvel équilibre du monde, comme l'a dit notre commandant Hugo Rafael Chavez Fría. Un monde pluripolaire, multicentrique, et les BRICS peuvent compter, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, sur la République bolivarienne du Venezuela, avec toute notre force révolutionnaire, pour venir en aide dans ce projet. Merci beaucoup. Monsieur le Président, le Venezuela continue sous votre direction la politique du commandant Chavez pour le renforcement de la souveraineté et montre des nouveaux paradigmes de développement et je suis certain à cet égard que le gouvernement légal formé sous votre direction va continuer et fait beaucoup pour le développement comme le Venezuela, comme pour la coopération, y compris dans le cadre de notre organisation. Je vous remercie. Je donne la parole au président du Kazakhstan, à Monsieur Tokayev. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, tout d'abord, je remercie de tout mon cœur le président russe Vladimir Poutine de m'avoir invité à ce sommet et d'avoir organisé parfaitement ce sommet des BRICS à Kazan, qui est justement
le centre du continent eurasiatique. Les BRICS étant centre du développement économique et les pays du monde qui aspirent à la croissance économique, ils essaient de s'aligner sur les BRICS. Les BRICS regroupent les pays de différents continents. Les BRICS renforcent la solidarité entre les pays, des pays et agissent pour le bien de tous les membres de cette organisation. Les BRICS a une riche expérience pour créer un meilleur avenir basé sur le principe de la prospérité et du partenariat mutuel. Pour le Kazakhstan, il est important, pour nous, il est important que nous avons de bonnes relations avec presque tous les pays membres des BRICS. Et je pense que le Kazakhstan va également contribuer aux efforts des BRICS, qui est une structure indispensable aujourd'hui. Les principes de la diplomatie et du dialogue qui ont été fixés dans la Charte des Nations Unies sont devenus la base de l'agenda des BRICS. Cela permet de régler les conflits et de renforcer la stabilité stratégique et la sécurité stratégique. Nous apprécions beaucoup la stratégie de la Fédération de Russie de créer la sécurité indivisible en Eurasie, une stratégie qui vise à réduire les tensions géopolitiques par le biais du renforcement de la coopération multilatérale. Le Kazakhstan soutient l'initiative chinoise dans le domaine de la sécurité mondiale qui vise à préserver justement cette stabilité mondiale, à préserver la souveraineté, à utiliser des approches communes et de régler des conflits. Nous soutenons le plan chinois sur l'Ukraine. Notre pays est inquiet par l'aggravation de la situation au Proche-Orient, ce qui a entraîné de nombreuses pertes humaines et une catastrophe humanitaire. Il est nécessaire d'éliminer les causes profondes de ce conflit. Et la formation et la résolution de certains défis est le facteur clé de la sécurité mondiale. Nous soutenons la réforme des Nations Unies et l'élargissement de cette structure avec l'invitation des pays du continent africain. Les voix des pays du Sud doivent se retentir au sein de cette organisation. Et les BRICS peuvent jouer une part active dans ce processus en soutenant les économies en développement dans les structures de la gestion mondiale. Le Kazakhstan considère les BRICS comme une locomotive du progrès mondial. Nous observons avec satisfaction l'augmentation du volume commercial avec les pays des BRICS, le volume qui s'est élevé en 2023 qui a constitué presque la moitié de notre volume commercial extérieur. Nous renforçons notre coopération dans les domaines tels que l'investissement, les technologies numériques, les minerais, le tourisme et j'en passe. Le Kazakhstan est prêt à coopérer étroitement afin de renforcer et développer le domaine des transports sur le continent. Nous apprécions beaucoup l'initiative Une ceinture, une route chinoise et l'initiative de la création du couloir Nord-Sud. C'est un couloir qui va relier l'Asie et l'Europe via le Kazakhstan et cela va donner un nouvel élan au commerce mondial dans un avenir proche et à long terme. Le Kazakhstan aspire à nouer de bonnes relations de partenariat avec les membres des pays des BRICS Sud afin de renforcer la sécurité énergétique. Nous sommes pour le lancement de projets prometteurs dans le domaine de l'extraction du gaz et du pétrole ainsi que de minerais rares. Il faut utiliser le potentiel énorme des BRICS pour lutter contre le changement climatique et pour lutter contre la pénurie d'eau et l'augmentation de la température sur la planète. Et je suis sûr que nos efforts dans le cadre des BRICS permettront
d'améliorer l'interconnectivité du Nord et du Sud permettra d'éliminer le déséquilibre sur la scène internationale, de renforcer la sécurité mondiale et d'assurer les conditions préalables pour le progrès mondial. Le Kazakhstan est prêt à entamer des travaux fructueux au sein des BRICS, est prêt à renforcer notre coopération pour le bien-être de nos États. Je suis sûr que, ce sommet à Kazan sera marqué comme une étape importante pour parvenir à la stabilité dans le monde. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez analysé bien les BRICS. Vous avez bien analysé les BRICS. Vous avez dit que la moitié de votre volume commercial est constitué par les échanges avec les pays des BRICS. C'est très bien. Et vous avez également évoqué la logistique. Nous attachons une importance particulière à la logistique. Je vous remercie. Je donne la parole au président azerbaïdjanais. Je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier le président russe Vladimir Poutine de m'avoir invité pour cette invitation et en profitant de cette occasion, je voudrais féliciter la Russie pour la parfaite présidence des BRICS. L'Azerbaïdjan est un fervent partisan de la multipolarité, ce qui a été démontré par notre pays lors de la présidence de notre pays au sein du mouvement de non-alignement en 2020-2023 et lors de ces années. Ce mouvement a fait de grands pas et cette organisation a renforcé ses positions sur la scène internationale. Et ce rôle de la présidence, ce rôle du président de cette organisation nous aide aujourd'hui lorsque nous abordons les problèmes dans la région. En utilisant la position géographique, en profitant de sa position géographique, l'Azerbaïdjan est devenu l'un des centres logistiques de l'Eurasie. Les couloirs nord-sud et les couloirs ouest-est se passent via l'Azerbaïdjan et toutes les infrastructures qui sont indispensables à ces couloirs fonctionnent sans problème sur le territoire azerbaïdjanais. Nous investissons dans le développement de ces couloirs, dans l'augmentation de la capacité de ces couloirs. L'Azerbaïdjan va héberger la COP 29 et presque 200 pays ont soutenu la candidature azerbaïdjanaise pour la tenue de ce sommet. Cela témoigne du soutien de notre politique. Nous contribuons beaucoup à la résolution des problèmes dans le domaine climatique. Nous continuons à appliquer les efforts nécessaires pour lutter contre le changement climatique, ainsi que pour assurer la primauté du droit, assurer le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de pays souverains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez bien dit que le rôle de l'Azerbaïdjan dans le renforcement des couloirs de transport est très important, mais non seulement. Le volume commercial entre la Russie et l'Azerbaïdjan augmente et le président kazakhstanais a dit qu'il en va de même pour toute la région. Je vous remercie pour votre discours et je donne la parole au président du Congo, à M. Denis Sassou Nguesso. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, président d'exercice des BRICS et plus, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, qui a bien voulu nous convier à ce 16e sommet des BRICS.
Je salue également les chefs d'État et de gouvernement présents à cette rencontre de haut niveau sur des questions essentielles qui touchent à l'économie mondiale et à l'avenir des peuples. Je remercie les autorités de la Fédération de Russie pour l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé à moi-même et à ma délégation. J'adresse mes vives félicitations pour l'organisation remarquable de cet important événement. BRICS hier, BRICS plus aujourd'hui. Cette évolution du groupe d'État ici réuni témoigne de l'engouement de nos pays pour un Sud de plus en plus global, prônant l'avènement d'un nouvel ordre international plus juste, plus solidaire, plus prospère. Le devoir impérieux pour nous, nations du Sud, est d'unir nos efforts afin de créer des mécanismes financiers alternatifs qui régulent avec plus de justice l'économie mondiale au bénéfice des intérêts légitimes de nos États. Ici, sur les rives de la Volga, se joue une séquence déterminante de l'avenir du monde en réponse à des turbulences économiques sans précédent. En développant des institutions financières plus adaptées aux réalités contemporaines et en renforçant des échanges commerciaux entre nos pays, nous pouvons bâtir notre avenir sur des économies autonomes et plus résilientes. Une telle approche implique de réformer les institutions financières internationales pour qu'elles reflètent davantage les réalités économiques actuelles et prennent mieux en compte les attentes légitimes de nos peuples. Mon pays, la République du Congo, partage pleinement les aspirations des BRICS+, notamment en termes de paix dans le monde, de progrès pour tous et de multilatéralisme constructif. Consciente de l'importance croissante de la coopération économique et politique entre les nations du Sud, la République du Congo accorde un intérêt tout particulier aux objectifs visés par les BRICS+, pour promouvoir un développement inclusif et durable et contribuer activement au couronnement de cette avancée majeure. Au-delà des intérêts économiques, la culture rapproche les États et renforce l'amitié entre les peuples. C'est en cela que la République du Congo appelle à la mise en œuvre des initiatives communes dans les domaines de l'éducation et de la culture afin de promouvoir un dialogue interculturel enrichissant. Par ailleurs, situé au cœur du bassin du Congo, mon pays est engagé depuis près d'un demi-siècle dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques. J'en appelle à une coopération plus renforcée pour la préservation des écosystèmes de biodiversité. À ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. J'invite donc
les BRICS Plus à se placer à l'avant-garde de cette lutte au service de la survie de l'humanité entière, tout en saluant vos efforts en matière de protection de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je sollicite l'appui des BRICS Plus en vue de l'adoption de cette résolution par les Nations Unies. Je vous remercie. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы отметили, что страна глобального юга разделяет чаяния стран-членов БРИКС. И вот это общее видение очень многих сложных проблем. Vous considérez que nous pouvions résoudre un certain nombre de problèmes par une coopération en unissant nos forces, bien entendu. Merci beaucoup de votre participation. Le président de la République plurinationale de Bolivie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et en particulier à notre frère, le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, que je veux à nouveau remercier de son invitation, qui exerce la présidence tournante des BRICS et qui a permis la participation de notre République à ce sommet. Je veux saluer mes collègues présidents des BRICS et invités à ce sommet. Je salue la présidente de la Banque de développement des BRICS, Madame Rousseff. Je voudrais remercier également l'hospitalité qui nous a été offerte à Kazan. C'est un honneur pour le peuple bolivien de participer à ce forum, réaffirmant notre conviction du fait que les BRICS prouvent de manière concrète la possibilité de la création d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus juste pour l'humanité. Notre présence aujourd'hui est lié aux propositions et aux engagements des pays des BRICS, en particulier pour ce qui est des réformes nécessaires pour la croissance et le développement des pays émergents et en développement. La Bolivie croit fermement en l'intervention à la coopération régionale et globale pour parvenir à un développement commun. Avoir une vision commune de gouvernance mondiale nous rapproche toujours davantage des BRICS. Il s'agit d'un nouveau moment dans l'histoire de l'économie mondiale, un jour d'espoir où le mot BRICS représente un sol multicolore avec tous les drapeaux en ce lieu. Définitivement, cela annonce non seulement la déchéance de l'accord de Bretton Woods qui depuis 1945 marque la prospérité des pays occidentaux en utilisant la dictature du dollar des États-Unis pour dominer économiquement les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et construire une camisole de force en laissant les pays à la périphérie, à la marge. Mais cela annonce l'instauration d'une tendance irréversible vers la multipolarité. Tout ce temps, sous le soleil, comme dit le proverbe, montre que des cultures détruites par la guerre et la faim, dans le vol des arts qui leur ont été volés, tout cela pour l'ambition, le contrôle et l'exploitation des ressources naturelles de ces pays. Ces peuples millénaires s'expriment dans le cadre d'une mémoire longue et indestructible. Les peuples du monde
ont vécu sous l'hégémonie d'un monde unipolaire. Après que se soit fracassé l'intention de construire un monde bipolaire. Il s'agit maintenant de mettre en place des politiques planétaires de manière, puisque la Terre arrive à ses limites en matière d'accueil des êtres humains, parce que la richesse se concentre dans peu de mains, et quotidiennement on introduit davantage, toujours plus d'armes stratégiques, qui constituent des menaces considérables et des menaces notamment d'inégalité. Le monde a pris conscience de cette situation. C'est pourquoi le multipolarisme constitue la liberté des actions, la fin des génocides comme l'attaque sur la Palestine, le siège économique de Cuba, le néocolonialisme des peuples à qui on nie l'autodétermination. Dans ce contexte, il est fondamental de rappeler que la Bolivie a présenté une déclaration d'intervention dans les cas de l'application de la Convention pour la prévention et la sanction du génocide sur la bande de Gaza. Et l'Afrique du Sud a traîné Israël devant la Cour internationale de justice. Nous sommes pour la paix au Moyen-Orient. Nous ne pouvons oublier les actes de déstabilisation et les tentatives de destruction de démocratie constituées légalement par des coups d'État qui contre des peuples qui sont victimes du pouvoir occidental qui croit contrôler le monde depuis 1945. Ils veulent le pétrole du Venezuela, le lithium de la Bolivie et les richesses de la Colombie pour ne parler que de l'Amérique latine. Au-delà de ces grands problèmes, de ces problèmes macro sur l'agenda de l'unipolarité, la présidence tournante des BRICS a promis que ses actions se concentreront sur la promotion de toute une gamme de coopération dans le cadre de l'articulation autour de problèmes clés. La politique, la sécurité, l'économie, les finances et les liens culturels et humanitaires. Il s'agit de faire en sorte que se reflète le fait que les êtres humains ne soient pas considérés comme des personnes arriérées, mais comme des peuples avec une histoire et une culture. Cependant, dans la situation actuelle, ces changements ne se décrètent pas, mais font partie de tout un processus. C'est essentiel. Il est essentiel que les réformes comme exprimées dans le cadre du dialogue ministériel des BRICS avec les pays en développement, il s'agit de faire en sorte que les 54 points fassent l'objet d'un travail où la coopération économique est un élément commun. Nous pensons qu'il faut construire un système international et multilatéral plus efficace, plus réceptif, plus représentatif, plus légitime, plus démocratique et plus responsable, qui permettra une participation plus efficace des pays en développement et des pays les moins avancés pour les intégrer dans la prise de décision de laquelle ils sont exclus pour le moment. Le pouvoir économique change de main. Il passe de la région atlantique à la région pacifique. Des institutions de gouvernance mondiale qui continuent d'être centralisées dans les pays du Nord, où les institutions ont un rôle définitif
à l'heure de prendre des décisions et d'imposer des sanctions sur le commerce, la santé, l'approvisionnement énergétique et la sécurité alimentaire. Cela doit changer. Dans ce contexte, l'État plurinational de Bolivie continue d'exprimer la même position, la position qu'il a exprimée aux Nations Unies, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Ces institutions doivent s'adapter aux réalités de façon plus équitable et plus juste, entendre toutes les demandes de façon égalitaire et de faire en sorte que chaque acteur puisse avoir un pouvoir. Nous sommes en faveur du renforcement de la banque de développement, institution clé pour financer les pays en développement comme la Bolivie et pour un pouvoir économique plus juste. Les défis mondiaux et les crises multidimensionnelles du capitalisme auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés exigent une force commune, solidaire de la majorité des pays qui aujourd'hui représentent le Sud. Nous sommes certains que par le potentiel de nos pays en développement et avec l'appui des BRICS, nous pouvons favoriser la transformation de l'économie et de la gouvernance mondiale pour renforcer un développement conjoint mutuellement avantageux reposant sur les technologies, la connectivité numérique et les énergies mondiales. Nous sommes un pays avec des ressources naturelles. Nous sommes le premier possesseur de lithium, de gaz. Nous avons du gaz naturel. Nous sommes dans un processus d'industrialisation et notre participation aux BRICS veut nous permettre d'accélérer ce processus. Nous voulons considérer que tout ceci fondera une nouvelle base historique et que tout le monde s'alignera sur les BRICS et la multipolarité. Nous devrons mettre en place un système efficace basé sur la souveraineté, sans ingérence de quelque type que ce soit, avec l'autodétermination, en récupérant les sites institutionnels que l'Occident utilise dans le cadre des relations internationales. Il s'agit de respecter le droit international et de faire justice pour nos peuples dominés par l'unipolarité occidentale et la tyrannie du dollar des États-Unis. Que le résultat de ce sommet se traduise en actions concrètes pour nos peuples, pour un avenir prometteur pour le développement global de l'humanité et pour l'ensemble de nos actions. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez mentionné le système de Bretton Woods qui a été la base du système financier mondial. Et je me permets de vous rappeler que la stabilité du dollar a été assurée alors par son rapport. Alors, mais il y a eu des accords de mai qui ont détaché l'or du dollar et aujourd'hui, la stabilité du système financier mondial le système a été assuré par la stabilité de l'économie des États-Unis. Aujourd'hui, la situation change de manière dramatique. Et notre objectif commun consiste à redonner un caractère normal à tous ces changements dans le domaine financier. Et c'est ce que nous faisons au sein des BRICS et nous allons le faire avec les pays qui vont s'engager dans nos activités. Je donne la parole au Premier ministre de l'Arménie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président russe Vladimir Poutine pour l'invitation à participer à ce format
des Prix Plus, je suis reconnaissant au président russe Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux, pour l'organisation de ce sommet d'aujourd'hui, pour la parfaite organisation de ce sommet. Le sujet de cette rencontre est les pays du Sud et les pays des BRICS, la création d'un meilleur monde et le projet de communication annoncé par le gouvernement arménien s'inscrit dans cette logique. Le projet, il est comme suit. L'Arménie est intéressée à organiser sur son territoire le passage de transport et la création sur le territoire arménien des infrastructures nécessaires pour l'acheminement du gaz et du pétrole. Et l'Arménie, c'est la plus courte voie d'accéder aux ports de la Turquie et de la mer Rouge, et cela va renforcer le couloir ouest-est. Cette marche-route peut être utilisée évidemment pour les liaisons entre l'Azerbaïdjan et la République de Nakhitchevan. Et compte tenu de cette approche, nous avons proposé à l'Azerbaïdjan un mécanisme de procédure simplifiée de contrôle douanier. Nous avons proposé d'assurer, de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires tout en respectant la souveraineté de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Nous soulignons une fois de plus que l'Arménie peut assurer la sécurité des marchandises qui passent, des marchandises, des personnes et des transports qui passent sur le territoire arménien. Nous l'avons garanti et nous le garantissons toujours. L'Arménie n'a pas consenti à ce qu'un pays tiers assure la sécurité sur son territoire. Les déclarations que de telles clauses sont prévues dans quelques documents ou quelques accords ne correspondent pas à la réalité. Hier, nous avons ratifié l'accord sur la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et la commission gouvernementale a été créée en ce sens pour délimiter la frontière. Après que le document ratifié entrera en vigueur, nous pourrons finaliser le processus de la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur les principes base de la déclaration d'Almata de 1941. Je tiens à souligner que les décisions de la Cour constitutionnelle d'Arménie a prouvé qu'il n'existe pas de revendication par l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Des déclarations en ce sens ne sont pas illégitimes. Chers collègues, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pendant ces dernières années, ont déclaré à plusieurs reprises que le projet d'accord sur l'établissement des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été approuvé au moins à 80%. Nous nous sommes mis d'accord sur les formulations sur la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Nous sommes mis d'accord qu'il n'y a pas de litiges territoriaux et nous nous sommes mis d'accord de ne pas avoir de tels litiges dans l'avenir. Nous nous sommes mis d'accord également que nos différends ne peuvent pas être résolus par la force et que nous ne devons pas nous ingérer dans les affaires intérieures de nos deux pays. Nous nous sommes mis d'accord qu'il faut créer des mécanismes bilatéraux pour mettre en place les engagements qui ont été atteints par nos deux parties. Notre évaluation est comme suit. Aujourd'hui,
le projet de l'accord résout tous les problèmes entre nos deux pays, ce qui est nécessaire pour normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous proposons à l'Azerbaïdjan de signer cet accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous venez d'évoquer des projets dans le domaine logistique et c'est très important pour cette région. Et je suis heureux que vous traitez au sérieux ces projets avec l'Azerbaïdjan. Nous en parlons beaucoup pendant ces dernières années et je suis heureux que le processus de la délimitation, de la démarcation des frontières ait commencé parce que c'est vraiment, effectivement, un chemin vers le règlement pacifique. Et le fait que vous avez pu vous entretenir avec le président azerbaïdjanais montre le succès de notre organisation. Je donne la parole au président du Kyrgyzstan, à M. Japarov. Monsieur le Président, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vos excellences, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de féliciter la Fédération de Russie pour la présidence tournante. Permettez-moi de souhaiter à la Fédération de Russie de plein succès et de remercier le président Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici à Kazan. Je remercie le président Poutine pour l'invitation qui nous a été faite, l'invitation de participer à cet événement très important. L'agenda des BRICS aujourd'hui est chargé et cet agenda représente une importance pour l'humanité. Nous considérons les BRICS comme une plateforme importante qui promeut les principes de la souveraineté, les principes du respect mutuel, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures et le principe de le développement économique commun. Nous partageons les objectifs et les principes des BRICS s'agissant des opportunités pour la croissance économique, la promotion des technologies numériques, la promotion de l'agenda vert et la lutte contre le changement climatique. Cela correspond pleinement aux objectifs du développement durable qui ont été établis par la République du Kyrgyzstan d'ici 2040. Chers amis, 10 ans après le début du processus de changement économique et politique sur la scène internationale, nous observons la fragmentation. Le monde doit devenir prospère. Mais est-ce que le monde est devenu prospère? Vous pouvez répondre à cette question vous-même. Chaque année, il y a de nouvelles barrières. Les dépenses militaire augmente alors que cet argent pourrait être utilisé pour diminuer l'injustice sociale. Les pays riches, ils continuent de s'enrichir, ils freinent l'économie mondiale en manipulant le système financier mondial et cela nuit aux pays qui sont économiquement vulnérables. Malgré la situation difficile économique difficile dans le monde, le Kyrgyzstan a eu déjà des succès dans le développement économique. Nous avons procédé à des réformes économiques et l'économie de notre pays se développe bien malgré les turbulences sur les marchés mondiaux. Nous avons eu une croissance de 7% et notre expérience a montré que grâce à la volonté politique, grâce à la gestion administrative, nous avons montré que les pays, même vulnérables économiquement, peuvent attendre de bons résultats. Nous luttons contre le changement climatique qui est manifeste dans les écosystèmes
comme dans notre pays, le changement climatique a un impact sur les pays montagneux et avec le soutien des pays montagneux, nous réalisons un plan d'action qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre priorité, c'est de promouvoir notre dialogue dans le domaine du changement climatique, conformément à l'accord cadre des Nations Unies. Et en profitant de cette occasion, je voudrais m'adresser aux participants de cette réunion et je voudrais prier les participants de soutenir notre organisation. Mesdames et messieurs, le Kyrgyzstan, il est pour l'accès à de nouvelles technologies, pour le développement économique, le commerce international doit servir les intérêts des pays en développement. Je suis sûr que les BRICS va développer de nouveaux instruments économiques, de nouveaux systèmes de paiement. Je suis sûr que les BRICS va perfectionner le système financier et cela ne va que contribuer au développement de nos pays. Le Kyrgyzstan est intéressé dans la coopération avec la nouvelle banque de développement s'agissant des projets de développement et des projets d'infrastructure. Le Kyrgyzstan espère que le rôle de la nouvelle banque de développement va augmenter, ce qui permettra de réduire la pauvreté et de faire face à des défis actuels. Nous sommes prêts à partager avec les membres des BRICS qui y sont intéressés notre expérience en ce qui concerne la numérisation et en ce qui concerne la transition verte. Et le complexe de formation des BRICS mérite une attention particulière. Nous considérons qu'il peut porter de bons fruits. Nous sommes prêts à nous joindre à des échanges culturels et académiques. Afin de stabiliser la situation économique, nous proposons les choses suivantes. Premièrement, afin d'instaurer la paix, il est indispensable d'éviter la division du monde en bloc. Deuxièmement, il faut augmenter les efforts dans la réforme de l'ONU. Il faut lutter contre le terrorisme, contre l'extrémisme et contre le trafic de drogue et de stupéfiants. Troisièmement, nous sommes pour le multilatéralisme qui devrait devenir qui devait être au cœur des Nations Unies. Il faut respecter la Charte des Nations Unies. Il faut éliminer le déséquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud. Quatrièmement, le Kyrgyzstan, en tant que voisin de la Russie et en tant que voisin d'Afghanistan, nous considérons qu'il faut soutenir l'Afghanistan. Il faut aider l'Afghanistan à intégrer dans les processus économiques et mondiaux. Il ne faut pas laisser l'Afghanistan sans assistance. Cinquième point, nous appelons les pays de la communauté internationale de soutenir le développement des pays d'Afrique et d'Asie, le développement de petits pays. Nous appelons à soutenir la sécurité, à renforcer la sécurité alimentaire et de mettre en place des mesures visant à améliorer le domaine de la santé. Le Kyrgyzstan, il se prononce enfin pour le développement des régions montagneuses. Chers participants à la conférence, au sommet, je voudrais pour conclure dire une fois de plus que nous apprécions beaucoup le rôle des BRICS et nous sommes prêts à contribuer à la résolution des questions pertinentes. Des questions pertinentes qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour des BRICS. Nous confirmons notre détermination à améliorer notre coopération avec tous les pays membres, notamment avec les pays qui sont présents aujourd'hui. La République du Kyrgyzstan se dit intéressée à coopérer avec les pays des BRICS et
à renforcer les liens de partenariat et d'amitié pour le bien-être de nos peuples, de notre population. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez parlé du droit de la force. Ce droit, lorsqu'il est utilisé sur la scène internationale, il y a une réaction assez évidente. Et le rôle des BRICS, justement, consiste à augmenter l'autorité du droit. En ce qui concerne l'Afghanistan, en ce qui concerne les pays montagneux, en ce qui concerne le changement climatique, nous comprenons, nous partageons votre inquiétude. Nous en avons parlé au président du Tadjikistan, auquel je vais donner le micro. Les pays de la région, ils ressentent vraiment ce qui se passe dans la région. Je donne la parole, comme je l'ai déjà dit, au président du Tadjikistan. Monsieur le Président, vos excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, messieurs les chefs de délégation, chers invités, tout d'abord, je remercie le président de la Fédération de Russie, je remercie le président Poutine pour cette initiative de tenir la rencontre d'aujourd'hui. La situation dans le monde témoigne une fois de plus qu'il est important de tenir une telle rencontre aujourd'hui et bien sûr, afin de parvenir à nos objectifs, nous devons élargir la coopération intergouvernementale. Il faut appliquer des efforts afin de parvenir à un monde multipolaire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de consolider nos efforts pour assurer la stabilité et la sécurité, ainsi que de parvenir aux objectifs du développement durable. C'est pourquoi, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai proposé à la communauté internationale d'adopter une résolution spéciale intitulée « Renforcement, maintien de la paix pour le bien-être des générations à venir ». Et j'espère que les pays vont soutenir cette résolution. Aujourd'hui, nous assistons à des processus géopolitiques difficiles. La menace du terrorisme et de l'extrémisme augmente. Il en va de même pour le trafic de drogue et de stupéfiants et pour le trafic d'armes. Et enfin, il en va de même pour le crime organisé. Et lutter, on ne peut résoudre ces problèmes qu'en adoptant une approche commune. Le Tadjikistan, il se prononce pour l'élargissement de la coopération avec tous les partenaires, chers collègues. Le Tadjikistan est inquiet de la situation au Proche-Orient, de l'escalade du conflit israélo-palestinien. Nous appelons toutes les parties prenantes à renoncer à la force et à prendre des mesures urgentes visant à stabiliser la situation et à garantir la sécurité. À cet égard, je souligne encore une fois qu'il est nécessaire de mettre en place la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit la création de l'État palestinien indépendant dans les frontières de l'État palestinien dans les frontières de 1967. Nous sommes convaincus que les conflits peuvent être résolus par la voie diplomatique. D'autres types de problèmes sont liés au changement climatique. Les cataclysmes coûtent la vie à de nombreuses personnes et cela nous fait prendre des mesures d'urgence. En Asie centrale,
c'est le changement climatique. Il entraîne la fonte de glaciers qui sont la principale source d'eau pour la région. Et il faut agir conformément à la résolution de l'Assemblée des Nations Unies. Et à Douchanbé, il y aura une conférence de haut niveau visant à préserver justement ces glaciers. Et j'invite tous les participants à prendre part à cette conférence. Ce problème affecte tous les pays, et notamment l'Asie centrale. Chers collègues, l'instabilité dans le monde affecte directement le développement social et économique des pays du Sud. Notre pays est montagneux. Il n'a pas d'accès à la mer et c'est pourquoi le Tadjikistan, il est intéressé à développer sa coopération et à élargir le nombre de ses partenaires. Il est important d'adopter des mesures concrètes visant à parvenir à la transition verte, dont l'élément crucial est l'énergie verte. Nous souvenons tous de la pandémie du COVID-19 qui a envahi tout le monde. Et la leçon qu'on peut tirer de cette pandémie, c'est que tous les pays du monde ne sont pas en sécurité face à la menace de la pandémie. Nous devons améliorer notre système de la santé. Nous devons fournir l'accès à médicaments. Nous devons mettre en place de nouveaux moyens de traitement. Chers collègues, nous considérons que c'est grâce à la concertation de nos efforts que nous pouvons créer pour les générations à venir des conditions favorables sur la planète. Et afin de parvenir à cet objectif, nous devons renforcer le dialogue entre deux différentes civilisations. Nous devons aspirer à la compréhension mutuelle, nous devons développer nos cultures, nous devons procéder à des échanges culturels et nous devons créer des liens d'amitié. Et pour conclure, je tiens à dire que les pays du Sud, ils peuvent mobiliser leurs efforts afin de parvenir au meilleur monde, à un meilleur monde. Et je vous remercie, Monsieur le Président, une fois de plus, d'avoir invité à cet événement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez attiré l'attention une fois encore sur les glaciers dans des pays comme le Tadjikistan. C'est un problème très important puisque glaciers fondent et cela pose un problème. S'agissant de la santé, je voudrais dire autre chose. La lutte contre les épidémies, les questions de développement humanitaire. Dans ce domaine aussi, nous devons. Les limitations sont inacceptables et les sanctions aussi. Malheureusement, elles ont lieu. Et la tâche des BRICS, c'est de créer des relations de manière à ce que tous les pays participants puissent bénéficier des meilleures techniques et médicales pour lutter contre l'épidémie. Je donne la parole au Premier ministre du Vietnam. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous remercie, le Président Poutine, de son invitation à participer au sommet élargi des BRICS. Permettez-moi de vous remercier de votre invitation à Kazan.
vous avez dirigé, vous dirigez les BRICS en qualité de votre présidence pour 2024. Vous avez permis de créer un mécanisme et d'augmenter le rôle d'un mécanisme pour résoudre efficacement l'ensemble des défis de l'humanité et pour donner une nouvelle impulsion aux pays du Sud vers le développement. Mesdames, Messieurs, nous sommes en faveur d'une meilleure intégration, notamment des technologies de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Nous voulons répondre aux défis. Les changements climatiques, le manque de ressources naturelles, le vieillissement de la population, l'instabilité géopolitique et autres. Ces problèmes mondiaux exigent les efforts communs de l'ensemble des États. Une démarche globale d'ensemble qui permet le multilatéralisme et la solidarité internationale. Dans cette nouvelle époque, les BRICS doivent unir et renforcer les liens entre les pays, notamment les pays en développement. Nous devons nous développer. Et dans ces conditions, les BRICS doivent jouer un rôle moteur dans la mobilisation de moyens efficaces et de toutes les ressources, notamment pour s'adapter aux changements climatiques, transition vers une économie verte, numérisation de l'économie, un cycle amélioré avec également des meilleures relations pour renforcer la sécurité. Les BRICS doivent être aux avant-postes du développement dans tous ces domaines. Développer l'économie verte, l'économie numérique et la sécurité de l'information. Le Vietnam salue la création de la nouvelle banque de développement qui va permettre un soutien financier à des projets stratégiques des pays des BRICS et autres pays en développement. Nous devons développer les liens des BRICS avec les pays en développement. Le développement de ces liens permettra une union entre les personnes. C'est l'union, notamment pour l'innovation, pour la création de nouvelles stimulations à la croissance économique, à la création de nouveaux espaces dans tous les pays, pour une amélioration de la production et un meilleur accès au marché. Nous devons unir les gens, c'est notamment le lien culturel, la formation, le tourisme avec les pays des BRICS et d'autres pays. Cela est nécessaire pour de nouveaux espaces culturels diversifiés. Il s'agit de respecter l'ensemble des valeurs, la beauté de l'amitié et tout ce qui permet le développement et le renforcement. Comme l'a souligné le grand écrivain de Fyodor Dostoïevski, la beauté sauve le monde. Pour ce qui est des réformes, il faut également parler des réformes basées sur l'efficacité, l'inclusivité, l'équilibre pour un développement durable. Nous devons travailler de façon plus active à la formation de règles et de normes mondiales plus justes, notamment dans les nouveaux secteurs comme l'administration de l'intelligence artificielle. La participation au développement de l'Internet. Les BRICS doivent lutter contre la tendance au protectionnisme et la politisation des relations commerciales, scientifiques et commerciales, ainsi que l'innovation. Mesdames et messieurs les dirigeants, mesdames et mes chers collègues, l'intégration pour un monde meilleur fait partie de la politique permanente du Vietnam, basée notamment sur des principes clés. L'homme doit être au centre, le sujet, le moteur de tout le développement de ressources. Nous ne pouvons pas sacrifier la justice sociale et la protection pour la croissance économique. Deuxièmement, nous devons travailler à l'indépendance, à l'autonomie, au multilatéralisme et à la diversification.
le Vietnam doit être un bon ami, un partenaire fiable dans la communauté internationale pour la paix, la coopération, le développement dans la région et dans le monde. Nous sommes attachés à une politique de défense. Quatre, non. Nous n'entrons pas dans des unions militaires. Nous ne voulons pas la sécurité au détriment des autres. Pas d'utilisation de bases et pas d'utilisation de territoire du Vietnam pour des bases militaires étrangères. Nous voulons travailler sans menacer les autres. Et nous voulons utiliser le grand... Écrivain russe Gorky a dit que chaque peuple, chaque nation est un ensemble d'organismes humains pour le progrès. Dans cet esprit, je suis certain que les BRICS seront un élément plus juste et stimuleront les forces intérieures pour le développement durable. Ho Chi Minh, notre héros de libération nationale, a dit une fois, la solidarité, grande solidarité, succès, grand succès. Le Vietnam est prêt à collaborer avec les BRICS pour une vie meilleure et pour un monde meilleur. Une fois encore, je vous demande, Monsieur le Président Poutine, je vous remercie, pardon, de votre aimable invitation à Kazan. Vous avez abordé de nombreux sujets intéressants. Vous avez parlé des valeurs communes des pays des BRICS. Et elles existent. Nous comportons avec respect vis-à-vis des différentes cultures, des différentes religions de nos pays. Et c'est la clé de notre succès. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au président du Turkménistan, Monsieur Berdimuhamedov. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, avant toute chose, j'aimerais remercier le président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine, de son accueil chaleureux et de son invitation. Nous participons pour la première fois au sommet BRICS+. Merci de cette invitation. Nous pensons que c'est une marque de respect en faveur du Turkménistan. Nous voulons participer aux efforts de la communauté internationale pour parvenir à une consolidation des principes de collaboration dans le monde et de respect des intérêts mutuels. Notre pays profite de son statut de neutralité pour renforcer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, pour consolider les liens culturels, un dialogue basé sur le droit et sur l'équilibre. Nous devons... Le cap politique du Turkménistan s'appuie sur le modèle de la neutralité. Les instruments de diplomatie préventive doivent permettre d'empêcher les conflits et notamment les raisons radicales de l'apparition des conflits. Nous devons nous appuyer sur des principes de neutralité qui est un élément objectif pour la communauté internationale et pour garantir la sécurité mondiale. Dans ce contexte, nous devons souligner l'efficacité des centres régionaux de l'ONU pour l'Asie centrale, dont le siège se trouve à Ashgabat. Nous sommes convaincus que ces principes de neutralité sont un moyen objectif pour soutenir la communauté internationale pouvant apporter un bénéfice pour la paix et la sécurité mondiale régionale. Comme État responsable, nous prenons l'ensemble des mesures pour améliorer la situation internationale et pour une transition vers des paramètres de coopération constructifs. Notre pays a fait des propositions sérieuses comme l'élaboration d'une stratégie de sécurité mondiale
l'établissement de priorité de partenariat de l'ONU, des éléments d'efforts pour les maintiens de la paix et toute une série de propositions dans le contexte d'une création et de renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. Dans ce contexte, nous soutenons l'initiative Le Turkménistan a pris une initiative à l'Assemblée générale de faire de 2025 l'année de la paix et de la confiance. Il s'agit d'appliquer les dispositions des résolutions de l'Assemblée générale. La stratégie internationale du Turkménistan s'appuie sur l'implication du pays dans les initiatives visant à résoudre les problèmes de notre temps, les problèmes économiques, les questions de la situation de crise, la crise écologique, la création de voies plus justes et plus fiables pour une énergie et une eau plus propres. À cet égard, notre État s'est impliqué notamment dans des initiatives sur l'énergie, l'économie et les transports. Souvent, il s'agit de programmes industriels, des économies circulaires ou d'autres initiatives pour le transport et les voies de communication mondiales. Il s'agit de mettre en place une alliance pour la sécurité énergétique et le développement durable au niveau mondial. D'une manière générale, les tendances mondiales, vu les tendances mondiales géoéconomiques, nous voulons travailler avec les pays en développement. Nous sommes attachés aux nouvelles énergies qui exigent un réexamen constructif de l'ordre international en apportant des nouvelles réflexions. Le développement scientifique et technologique est un élément clé du développement et des nouvelles normes. Bien entendu, il faut tenir compte de critères économiques, de commerce, de transport, d'industrie, de retraitement des matières premières, etc. Nous devons parvenir à ces objectifs. J'aimerais parler de la situation du climat, qui est un élément clé et qui va déterminer l'ensemble des trajectoires de développement humain pour ces prochains siècles. Le Turkménistan est en faveur d'un réexamen de la problématique climatique avec une démarche mondiale pour garantir une architecture de sécurité et de développement. La création de mécanismes de surveillance sur le plan climatique et écologique pour d'observation des cataclysmes est nécessaire. La question climatique est une priorité pour nous parce que nous devons proposer les paysages naturels d'Asie centrale, les ressources aquatique et la mer Caspienne. Nous devons travailler à la préservation des ressources énergétiques pour l'intérêt de l'ensemble des partenaires et dans le cadre du droit international. Nous considérons la coopération dans le domaine humanitaire comme très importante, notamment le problème des réfugiés et apatrides. Nous voulons travailler à la solution à ces questions dans le cadre des institutions spécialisées des Nations Unies qui apportent des résultats très positifs au niveau national. Nous sommes prêts à partager avec nos pays, avec d'autres pays, notre expérience. Notre pays considère comme très important les échanges culturels et d'éducation, le renforcement des connaissances les uns des autres et l'apport traditionnel et culturel mutuel qui unit les peuples. Nous sommes prêts à établir ces partenariats en organisant des événements communs.
Je voulais remercier les organisateurs qui nous ont invités à participer à cette réunion et nous pouvons ainsi échanger des opinions et des propositions. En conclusion, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance aux organisateurs du forum et souhaiter plein succès dans votre travail. Monsieur le Président, vous avez posé beaucoup de questions, mais je noterai notamment que vous avez parlé de la nécessité de s'attaquer aux raisons radicales des crises. Et je soutiens pleinement cette position. C'est une question essentielle pour de résoudre n'importe quelle crise, y compris les situations les plus aiguës que nous voyons aujourd'hui et dont nous avons discuté. Vous avez également mentionné votre travail concernant les Nations Unies. Nous en avons parlé. Ici, il y a beaucoup de questions. Le monde change et toutes les structures qui ont été créées voilà des décennies dans ce monde en perpétuelle évolution, eh bien, je dois dire que sur toutes ces questions, cette nouvelle organisation universelle, pour l'instant, n'existe pas. Et je donne maintenant la parole au secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les dirigeants et les représentants, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à ce 16e sommet des BRICS. Collectivement, votre pays représente presque la moitié de la population. Et vos engagements pour le multilatéralisme et pour la solution internationale aux problèmes s'est exprimé au cours de cette année. Aucun groupe unique ou pays unique peut résoudre les problèmes de façon isolée. Ce sont les nations qui, collectivement, dans une grande famille, peuvent s'attaquer aux défis mondiaux. Il s'agit le nombre de conflits, la dévastation des changements climatiques, la pollution, la perte de biodiversité, l'accroissement des inégalités et la pauvreté ainsi que la faim sont des crises qui menacent l'avenir de nombreux pays vulnérables. Le fait que moins d'un cinquième des pays ne sont pas sous menace. Il y a des questions également d'intelligence artificielle. Le manque de représentation des pays en développement à la table des négociations mondiales, que ce soit le Conseil de sécurité du système de Bretton Woods et au-delà, cela doit changer. Le sommet de l'avenir de l'ONU de septembre a offert une plateforme pour le multilatéralisme et pour le développement et pour les droits de l'homme. Tout d'abord, il y a les finances. Aujourd'hui, le système financier international n'offre pas à beaucoup de pays vulnérables le filet de sécurité et le niveau de soutien dont ils ont besoin. Le pacte pour l'avenir appelle à l'accélération des réformes du système financier international qui est inefficace, plus actuel et injuste. Cela inclut un engagement d'aller de l'avant avec une stimulation pour faire évoluer le modèle économique et augmenter la capacité d'emprunt de la Banque multilatérale de développement avec un financement particulier en faveur des pays en développement les plus vulnérables. Il s'agit de recycler beaucoup d'éléments, de restructurer les pays les plus endettés et mobiliser des ressources intérieures pour des investissements vitaux dans les pays en développement. La conférence de financement du développement de l'année prochaine et la conférence pour le développement social seront deux pierres angulaires et deux jalons pour le développement. Il s'agit de stimuler la coopération sud-sud. Cela ne remplace pas les engagements et les obligations des pays développés, mais cela offre une contribution croissante pour aider les pays en développement et
pour parvenir aux ODD. Deuxièmement, le climat. Chaque pays s'est engagé à limiter l'élévation des températures à 1,5 degré. Cela exige des mesures très importantes pour réduire les émissions. La COP 29 va poser les jalons de cela, mais il s'agit de mettre en place un plan de coopération avec des objectifs pour 2035 où tout le monde doit s'adapter au 1,5 degré. Nous devons mettre en place des objectifs financiers nouveaux. Les pays développés doivent aussi tenir leurs promesses pour s'adapter d'un point de vue financier et garantir des contributions significatives pour les suites aux pertes de financement qui ont été générées. Troisièmement, la technologie. Chaque pays doit être en mesure d'accéder aux avantages de la technologie. Le pacte mondial de la numérisation doit améliorer l'établissement de capacités. Cela prévoit un premier accord universel sur la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle pour donner à chaque pays la possibilité de s'exprimer à la table des négociations d'intelligence artificielle. Il s'agit de mettre en place un dialogue politique sur sa gouvernance au sein des Nations Unies avec la participation de tous les pays. Cela exige des options pour des financements novateurs pour l'établissement de capacités de l'AI dans de l'IA dans les pays en développement. Quatrièmement, la paix. Nous devons renforcer les mécanismes de la paix. Cela passe par une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pacte pour l'avenir inclut l'importance du désarmement, y compris les premiers accords multilatéraux de désarmement nucléaire dans qui ont plus d'une décennie. Il s'agit de travailler à la prévention d'une tour de désarmement dans l'espace et autres accords. Nous avons, le monde a besoin de paix. Nous avons besoin de paix à Gaza avec un cessez-le-feu immédiat, avec une libération immédiate des otages et une aide humanitaire sans obstacle. Et nous devons rendre irréversible la fin de l'occupation avec une solution à deux États, comme cela a été récemment réaffirmé une fois encore par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons besoin de paix au Liban, avec une cessation immédiate des hostilités pour passer à une application de la résolution du Conseil de sécurité 1701. Nous avons besoin de paix en Ukraine, une paix juste conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et à l'Assemblée et aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons besoin de paix au Soudan où les armes doivent faire silence. Voilà les messages qui ont été donnés au débat de haut niveau, au débat général de l'Assemblée générale à New York. Malheureusement, beaucoup sont restés lettres mortes. Partout, nous devons appliquer les valeurs de la Charte des Nations Unies, de l'état de droit, de l'intégrité et de l'indépendance de tous les États. Excellences, mesdames et messieurs, le sommet de l'avenir renforcer le multilatéralisme pour le développement et la sécurité mondiale. Maintenant, nous devons passer du parole aux actes et les BRICS peuvent jouer un rôle important dans cette direction. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, j'ai bien compris que nous devons vivre comme une grande famille. Monsieur le secrétaire général, nous vivons, c'est ainsi que nous vivons, mais malgré les scandales, malgré les difficultés, malgré
les affaires, eh bien, il arrive que nous nous battons. Et l'objectif des BRICS est de créer des mécanismes essentiels de coopération et créer une atmosphère favorable. Nous le faisons et nous continuerons de le faire dans le en coordination avec les Nations Unies. Mes chers collègues, mes chers amis, nous avons maintenant une pause et nous pouvons maintenant faire, nous allons travailler donc en groupe de travail après le déjeuner. Thank you.